mes cheveux, c'est une cata. Coucou Maëva, elle est là. J'ai plein de commentaires. Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Oui, j'ai vu Maëva. Je te prends dans 2 minutes. Bonjour Ellie. Coucou Manon. Merci beaucoup Romain. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci beaucoup. Oh, je vois que ça arrive encore. On va accueillir tout le monde. Salut Willou. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, je reçois Maëva. Donc, Maëva, elle a 25 ans. Elle a été élue Miss PVL 2016, Miss Nord-Pas-de-Calais 2017, Miss France 2018. Elle a été 6e dauphine à Miss Monde, du coup, 2018 et 6e dauphine de Miss Univers 2019. Donc, je vais l'inviter. Maëva, vite. Hello tout le monde! Ça va Florentine? Oui, ça va et toi? Ben ouais, écoute, merci pour ta petite présentation. T'as tout bon, zéro pote, donc nickel. Ça va. J'ai demandé à William juste sur les dates. Je pensais que de PVL c'était la même année que Nord-Pas-de-Calais, mais non. Non, en fait, j'ai été Miss PVL en novembre 2016 et Nord-Pas-de-Calais en septembre 2017. Donc il s'est passé pratiquement un an entre les deux. C'est ça. Voilà. Du coup, voilà. Bon, aujourd'hui, on va faire comme d'habitude. Du coup, on va faire le jeu du portrait chinois. Je t'ai préparé 10 questions. Et après 10 questions, enfin, je t'ai préparé des questions Miss aussi. Et après, on pourra regarder les questions de nos amis. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je suis contente de faire ce live. Je sais qu'en partie, on va retrouver des ch'tis sur notre compte. Mais que ce soit ch'tis ou pas, je suis contente d'être avec vous. On est full ch'tis aujourd'hui et c'est cool. On peut mettre en avant notre comité et puis toutes nos misses. Donc, c'est vraiment bien. Je te laisse maintenant commencer le portrait chinois. Vas-y. Alors, si tu étais un produit make-up, un fond de teint. Je pense à un fond de teint parce que, bon, déjà, moi, le mien, je l'adore. Je suis fan de mon fond de teint. C'est le meilleur fond de teint au monde. Je pense que sur toutes mes IGTV, ouais, il est là, en fait, parce que je suis sur ma table de maquillage. Et, bah, en fait, ça permet vraiment de tout camoufler. Enfin, je pense que c'est le béaba d'un maquillage, c'est de mettre du fond de teint. Donc, je pense que obligatoirement je serai ça. C'est vrai. C'est la base. Ouais. Si tu étais une qualité. Attentionné. Parce que je le suis beaucoup quand on me demande mes qualités. C'est vrai que c'est un peu celle qui est plus, le plus mis en avant. J'aime bien quand même prendre soin des gens que j'aime. Et c'est important, je vois William qui dit l'honnêteté. Mais William, il y en a tellement de qualités qu'on pourra en citer plein. Là, je dois en citer. Là, je rigole. Mais c'est vrai que l'honnêteté, c'est vraiment une de mes qualités aussi. Je suis tout sauf focus. Je ne suis pas menteuse. Enfin, si j'ai un truc à dire, je le dis. Même si je sais que ça va déplaire ou autre. J'aime bien les choses dites. J'aime pas les mensonges. Donc, comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, du coup, je suis très honnête parce que moi, j'attends des gens qui soient honnêtes avec moi. Voilà, c'est une autre qualité. Mais tu en as plein. Merci. Si tu étais une marque. Si j'étais une marque. Oh, je serais Balmain. En fait, ouais, ah, c'est il sûr. Avait raison, tu William. Ouais.
Il a dû se dire, c'est sûr, elle va dire Balmain. Mais Oui. oh, j'adore Balmain, j'adore ce style un peu militaire, les épaulettes, c'est très classe, très beau, hyper structuré. C'est mon rêve d'ailleurs de défiler pour Olivier Rousteing. Je croise les doigts, j'espère qu'un jour, bon, après j'ai 25 ans, comme tu as dit, je commence à me faire vieille. Mais même si c'est pas de défiler pour lui, peut-être le rencontrer, enfin j'adorerais quoi. Après, tu es vieille chez les Miss, pas forcément dans le mannequinat. Comment? Tu es vieille chez les Miss, mais pas forcément dans le mannequinat. Bah, autant dans le mannequinat, 25 ans dans le mannequinat, ça fait vieux quand même. Hein. Après, ça dépend, tu vas encore voir Doutzen Kroos défiler parce que c'est Doutzen, parce que c'est des mannequins qui sont hyper, Ouais. hyper connus. Mais si déjà, tu n'as pas ton nom dans le milieu et que tu arrives comme ça, salut, j'ai 25 ans, je vais défiler pour toi, c'est un peu tendu, mais bon, il faut toujours prendre ses rêves, comme on C'est dit. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si tu étais un super pouvoir. Si j'étais un super pouvoir, j'avais déjà répondu à cette question, je pense pendant mon année Miss France, parce qu'on me pose tellement de questions. Ça serait éradiquer les maladies, en fait. Je pense pas forcément à moi. Je sais qu'on peut dire se téléporter, machin, machin. Non, éradiquer les maladies, parce que Dieu sait comme ça peut faire de mal aux personnes qui perdent quelqu'un, que ce soit d'un cancer ou autre. Je pense à ça parce que ma mère en a eu un et par chance, elle n'est pas décédée de cette maladie. Mais comme par exemple un enfant, il y a des bébés, des enfants de 5 ans qui sont malades. Tu te dis que s'il n'y avait plus de maladie sur Terre, bah, en fait, il n'y aurait plus toutes ces craintes, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on mange, à ce qu'on utilise, parce que ça aussi, ça peut engendrer des maladies comme le déodorant avec de l'aluminium. Enfin bon, bref, on aurait beaucoup moins de problèmes, donc je dis éradiquer les maladies. Vrai. Si tu étais un mois de l'année. Si, ah, bah, je dirais, ah, j'hésite. J'hésite, j'hésite. En fait, j'ai trop envie de dire au mois de naissance parce que c'est en juin et c'est en plein été. Mais en même temps, j'ai envie de dire décembre parce que j'adore Noël. Je suis une grande fan de Noël. C'est ma passion quand je décore chez moi. D'ailleurs, mon sapin, n'en parlons pas, mon sapin fait 2 mètres de haut. J'ai Ah voulu oui. prendre un sapin un peu américain, tu sais, qu'on voit dans les films. D'ailleurs, il a coûté très cher, mais vu que je suis fan de Noël. Donc, du coup, je penche quand même entre les deux, mais je dirais peut-être Noël parce qu'il y a un peu cet esprit magique dans l'air. Donc, décembre. Familial. Ouais. Si tu étais un dessert. Oh, alors là, c'est dur parce que je ne suis pas du tout dessert. Moi, déjà, pour prendre des desserts, j'aime pas trop. Je serais une glace à la noix de coco. Un peu C'est le moins. seul dessert que je veux prendre au restaurant, donc une glace à la noix de coco. Si tu étais une destination. Si j'étais une destination, la Californie. Je suis pas très objective parce que je reviens de Los Angeles il y a 2 mois maintenant, le temps passe vite avec le confinement, mais c'était trop bien. Et puis franchement, quand je regarde mes photos, mes vidéos, je suis là, mais c'est pas assez trop vite, je veux tellement y retourner. En plus, dès que tu regardes la télé, des clips, tout le monde est en Californie, tout le monde à Los Angeles, il fait beau, bah, le décor est ouf parce que tu as des palmiers, tu as des couchers de soleil incroyables. Les gens sont cool, sont très cool là-bas. C'est pas la même façon de vivre là-bas qu'en France. Du coup, ouais, Los Angeles. J'ai jamais été, mais je compte bien y aller, moi. Ouais, faut y aller un jour. Je pense que même pour vous tous qui regardez là le live, si vous avez jamais été à Los Angeles, c'est vraiment une destination à faire. Parce que bon, en vol, ça va, c'est pas non plus hyper, hyper loin. C'est quoi, 11 heures ou 12 heures? Et c'est trop beau quoi. Donc c'est vraiment à faire. Puis c'est encore un voyage qui est accessible, je pense. Enfin, faut économiser, mais c'est encore quand même accessible. Ouais, je crois que c'est. Bah après, ça va plus être le logement, je pense. Après, il faut fonctionner en Airbnb, hein, comme on fait en France. Je pense que c'est le meilleur plan à faire parce que bon, faire plein d'hôtels, ça va forcément être beaucoup plus cher. Mais je pense que Airbnb, et puis peut-être en prenant son billet à l'avance, ça doit être quand même raisonnable. Oui, en économisant, voilà. Ah bah. Ah ouais, en Comme écho, toute c'est sûr. vacance. Si tu étais un restaurant. Si j'étais un restaurant.
Oh, j'irais une pizzeria. Franchement, c'est pas ici et tout, mais une pizzeria parce que depuis que je suis jeune, j'adore aller dans des restos. En fait, je peux faire beaucoup de restos et dès que je vois une pizza à la carte, j'ai envie de prendre une pizza parce que j'aime beaucoup. Je vois William, tu dis épicé. Ouais, franchement, ça pourrait être aussi resto marocain. J'adore. Il a dit J'adore oriental. manger. Comment? Il a dit oriental juste au-dessus. Ouais. Oh ouais, il me connaît bien, hein. Moi, j'adore le chinois. En ce moment, c'est ça, le Ah chinois. ouais, moi c'est pas. Ouais, non, moi ça dépend. Je peux manger du chinois, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Bon, après, ça dépend. Je pense qu'on a des périodes, en fait, on a des périodes où on aime bien manger un truc et après on change. C'est Là, tu ça. vois, depuis le confinement, je mange hyper sainement. Et d'ailleurs, je pense que ma peau le ressent parce que j'ai beaucoup moins de problèmes de peau qu'avant le confinement. Après, c'est pareil, je me maquille beaucoup moins. Mais on dit que c'est important de bien manger pour l'équilibre du corps. Et je pense que, franchement, effectivement, c'est vrai parce que je vois la différence, moi, depuis que je mange mieux. C'est vrai, bah, le confinement, il y a du bon quand même, hein. Il n'y a pas que du mauvais. Ouais, franchement, il Donc faut ça voir. Faut voir les bons côtés. Moi, depuis le début, je relativise. En fait, on nous a pas demandé d'aller se battre comme nos ancêtres ont pu faire la guerre. Enfin, on nous a juste demandé de rester chez nous. C'est pas bien grave. En plus, aujourd'hui, on a va. tout pour s'occuper. On a plein de plateformes différentes pour s'occuper. Donc, bon, après, certes, on peut pas aller dehors pour se balader, mais c'est pas grave, quoi. Ça va durer un temps, et puis c'est bientôt la fin. Oui, là, enfin, on a écouté un petit peu là ce que notre Premier ministre a dit, donc c'est vraiment la fin. Mais il faudra faire Ouais. attention quand même. Après, il faut vraiment que les gens prennent conscience que c'est la fin du confinement, mais c'est pas du tout la fin du Covid-19, parce qu'en soi, on va retourner dans la rue, mais le virus circule toujours. Donc, C'est vrai. moi, je vais le 11, par exemple, je ne sors pas de chez moi, hein, ni le 12, le 13. En plus, ça va être une cohue dans les rues. Donc, je sors pas de chez moi. Il faut quand même rester hyper vigilant, même Plus si on on a est déconfiné. Ouais. donc voilà. L'avant-dernière question, si tu étais une boisson. Un iced tea. Ah Après, attends, j'ai dit ça parce que c'est par rapport au moment, tu vois. Mais j'aurais très bien pu dire iced tea comme champagne. Si tu me dis quel alcool es-tu, je vais te répondre champagne d'office. Parce William, que il je a suis. dit les deux. Ouais, Pourquoi? mais il est trop fort. Mais en fait, j'adore le champagne. Après, attention, j'en bois plus maintenant. Ça fait un moment. Puis, confiné, je vais pas me mettre à boire du champagne. Mais sinon, dès que je suis en soirée ou autre, moi, c'est full champagne. J'adore ça. C'est mon eau. Mais là, c'est plus l'iced tea, mon eau, en ce moment. C'est ma boisson préférée aussi. Je vois qu'il y a d'autres aussi en commentaire. Mais c'est bien, en plus, c'est pas gazeux. Déjà, moi, j'évite. Enfin, j'évite. Je parle pas du champagne, mais tout ce qui est coca, tout ça, j'évite, c'est pas forcément très bon. Vrai. Et la dernière question, c'est si tu étais un modèle de chaussures. Des Louboutins. Ben oui, obligatoirement, je serais des Louboutins. J'en ai plein dans mon armoire. Bon, pas encore assez à mon goût. J'en ai beaucoup, mais j'en veux plus. Et non, c'est vraiment, c'est la chaussure à la française. Qui est hyper belle, hyper élégante, qui te fait un pied hyper fin, très beau. Bon, qui certes peuvent parfois faire mal de temps en C'est ce que temps, j'allais dire. mais les modèles sont trop beaux. C'est des trucs tout le temps hyper variés, puis qu'on voit rarement ailleurs, en fait. Donc, Louboutin, semelle rouge. C'est raffiné. Moi, j'ai terminé, enfin, on a terminé le portrait chinois. Du coup, c'était Et. super cool. Et maintenant, du coup, je t'ai préparé, bon, j'en ai pas mal, des questions sur ton parcours d'Élise. Et quand j'ai Okay. terminé, on pourra répondre aux questions de nos amis. Ok, bon, c'est parti. Alors, tout simplement, comment tu t'es lancée dans le monde d'Élise? Alors, en fait, j'ai commencé par le mannequinat. C'est marrant, quand je parle d'Emmy, je commence toujours par parler du mannequinat. J'ai commencé par faire des concours de mannequins, le concours élite. Et puis, en fait, à mes 18 ans, une fois que j'ai eu mon bac, ils m'ont proposé de partir comme toutes les filles qui veulent se lancer dans le mannequinat sur Paris. J'ai passé des castings. Et puis, j'ai eu un contrat dans une très bonne agence que je n'ai pas voulu accepter parce que je voulais continuer mes études. Justement, j'avais que le bac et je voulais
voulais au minimum avoir un bac plus 2, c'était vraiment important pour moi. Et on sait tous que les agences sur Paris te demandent de vivre à Paris, de passer tes journées à faire des castings, à courir à droite à gauche, à passer ta vie dans le métro. Et clairement, à ce moment-là, j'en avais pas du tout envie, ça ne me faisait pas rêver. Donc du coup, je n'ai pas accepté le contrat. J'ai fait mon BTS commerce international à Boulogne-sur-Mer. Et puis à ce moment-là, je me suis dit bon bah écoute, vu que j'ai quitté le monde des Miss, en fait j'ai vu une annonce dans le journal de la semaine dans le Boulonnais et il faisait appel à certaines candidates. Et bon, j'ai vu qu'il y avait plein de cadeaux à gagner. Je dis la vérité là ce soir, je dis toute la vérité, rien que la vérité. Il y avait plein de cadeaux à gagner. Et du coup, je me suis dit, oh, franchement, le faire, gagner un voyage et tout. Il y avait un voyage, c'était où d'ailleurs? Je sais plus, c'était en Espagne, je crois. Au Baléares, c'était ça. C'était un voyage au Baléares. Bon, bref, quand tu voyais la liste des cadeaux, tu dis, bon, j'ai rien à faire, je fais mes études à Boulogne, j'ai mis de côté le mannequinat, why not? Et du coup, bah, je me suis lancée dans Miss Nord-Pas-de-Calais, enfin, dans Miss, pardon, Miss Boulogne. Et j'avais 18 ans, j'étais toute jeune. Franchement, quand on tape sur Google Maëva Cook, Miss Boulogne-sur-Mer, ça fait mal. J'ai vraiment une tête de bébé, j'ai totalement changé maintenant. Et en fait, j'ai fait ce concours sans vraiment avoir l'envie de gagner. Hein. Autant Miss France, je l'ai fait pour gagner, mais pas Miss Boulogne-sur-Mer, je n'y connaissais rien. Déjà, quand je suis arrivée, je voyais les filles qui mettaient de l'auto bronzant, qui mettaient plein de trucs, les faux ongles, les machins. Et moi, j'étais là, je faisais, oh, bah, je comprends J'ai rien, en fait. rien. Moi, j'ai rien de tout ça. Je me sentais là comme, j'étais en visite, en fait, moi. Hein. Je n'étais pas prête du tout. J'ai même vu ce jour-là une fille qui avait pris un shooter de vodka, ouais, on peut en parler, pour se déstresser. Et franchement, quand j'ai vu toutes ces choses-là, moi j'avais 18 ans, je venais juste me présenter un concours de beauté, j'ai fait, mais pourquoi tout ça en fait? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas? Est-ce que moi du coup, j'ai pas mes chances? Et puis bon, bref, l'élection a commencé, j'ai fait mon tout premier discours, j'étais comme ça. Ça s'est bien passé, j'ai gagné à ma grande surprise, à la grande surprise de ma famille aussi, parce qu'on était vraiment venus, je crois, à 6, tandis que d'autres filles étaient venues avec 50 personnes. Et bah, après ça, en fait, je me suis dit, pourquoi pas continuer? Et du coup, j'ai continué, et puis petit à petit, j'ai fait certains concours, beaucoup que je n'ai pas gagné. J'ai toujours été dauphine, mais j'ai pas forcément eu l'écharpe. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, j'étais assez déçue parce qu'il faut se dire les choses. Il y a des filles qui le font pour s'amuser, mais il y en a d'autres qui veulent vraiment gagner. Ça dépend le tempérament de chaque fille. Et bah, moi, au bout d'un moment, j'en fais 3-4. C'est pas pour être tout le temps dauphine, quoi. Donc, je me suis dit, j'arrête. Et j'ai fait une pause du coup de, je sais plus, 1 an ou 2 ans dans mon parcours de Miss, jusqu'à reprendre avec Miss Opale Sud. Un soir avant Miss Pével. Et donc là, je me dis, je le fais. Si je gagne pas, c'est terminé, j'arrête. Et donc, vous devez sûrement connaître le résultat pour ceux qui sont du Nord et qui ont suivi. J'ai terminé première dauphine à ma grande, 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 grande déception. Du coup, j'ai dit, bah, c'est tout en fait. Moi, j'étais persuadée qu'on ne voulait pas de moi dans le milieu des Miss, que ça servait à rien, qu'il fallait que j'arrête. Donc du coup, bah, c'était tout. Et puis en fait, après l'élection, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir et certaines du comité Nord-Pas-de-Calais qui m'ont dit, écoute Maëva, demain, il y a Miss Pével, pars là-bas, tu as toutes tes chances, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été toi. Mais en même temps, l'autre candidate qui est une de mes grandes copines qui a gagné ce soir-là le méritait amplement. C'est juste qu'il y a forcément des personnes qui vont voter pour moi, d'autres Ouais. qui vont voter pour Emmanuel et qui ne comprennent pas pourquoi moi, je n'ai pas été élue. Mais en soi, Emmanuel méritait clairement son titre hein. Là-dessus, je reviendrai pas dessus. Et donc, bon, il y a tellement de personnes qui viennent dire Maëva, demain va à Miss Pével. Je me dis, bon, pourquoi pas. En plus, ce qui est marrant, c'est que en gagnant ce titre de première dauphine, j'avais gagné un GPS. Et à ce temps-là, j'avais une ancienne voiture, une toute petite Clio, une toute petite voiture, toute vieille. Et du coup, j'avais pas de GPS. Et bah, je me suis dit, en fait, c'est marrant, le destin fait bien les choses. J'ai gagné le GPS, j'ai dormi 3 heures peut-être, j'ai pris la route pour aller à Beuvry-la-Forêt qui était à 2h30. Donc, j'ai traversé la région de où j'étais et puis j'ai refait exactement la même chose.
à Beuvry, et puis j'ai été élue. Et puis ensuite, bon, je ne raconte pas l'histoire, hein, Nord-Pas-de-Calais, France, monde, univers, voilà. C'est ça. On va y revenir après d'ailleurs. Du coup, dans tout ça, quelle était la chose la plus difficile pour toi au niveau make-up, coiffure, les talons, la prise de parole, la danse? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Ben, rien ne m'a semblé vraiment dur. J'avais de l'appréhension avant chaque discours parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Quand j'ai été Miss France et que je disais aux candidates, bon, je le suis toujours, mais quand j'étais en titre, et que j'allais en région et je parlais aux candidats, je leur disais surtout votre discours. Essayez de toucher le public, essayez de dire quelque chose qui va vous démarquer. Et ça, s'il y a certaines candidates, des prochaines filles qui veulent se présenter à nos élections locales ou régionales, il faut y penser. Il faut penser vraiment à se démarquer parce qu'à un moment donné, on est toutes jolies, hein, faut dire les choses. Donc c'est grâce au discours qu'on peut du coup se démarquer. Et c'est là-dessus où j'avais un peu d'appréhension, mais bon, je les ai toujours en général plutôt bien gérées, donc ça a été. Et sinon, non, j'ai pas vraiment eu de choses hyper dures. Quand j'ai appris à me maquiller, bon, je savais pas me maquiller comme maintenant, hein, clairement. Là, Je tu fais savais pas vraiment des maquillages estomper. fous. Hein. Moi, je suis tous tes IGTV, je vois tes lives et tout ça avec Nyx. Tu as fait un live aussi avec Lia, tout Ouais, ça. ah, c'est cool C'est de des maquillages regarder. canons. Hein. Merci. Et bah, d'ailleurs, je vais en poster un tout à l'heure. Juste quand on aura terminé, je vais poster celui que j'ai fait hier. Mais c'est vrai que du coup, le maquillage, je ne le maîtrisais pas forcément très très bien au départ, mais j'ai appris à le maîtriser de plus en plus et à savoir estomper, etc. Et puis maintenant à faire des choses beaucoup plus créatives. Mais donc non, rien de vraiment très dur. Alors, la troisième question. Donc, comment Okay. as-tu vécu ton aventure chez les Miss, donc Miss Pébel, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France? Eh bien, écoute, ça regroupe beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes hein, parce que chaque aventure a été hyper différente. Mais je les ai toutes très bien vécues déjà. Elles sont toutes passées trop vite à mon goût. J'ai vraiment profité au max. Après, ben, Nord-Pas-de-Calais, je n'ai pas profité comme je le voulais parce que j'ai été élue en septembre et j'ai été élue Miss France en décembre. Donc, en soi, j'ai été que Miss Nord-Pas-de-Calais quelques mois. Mais non, toutes ont été vraiment bien. Je pense que la seule petite chose la plus gênante qui peut arriver dans un concours de Miss, c'est comment dire, c'est l'ambiance qu'il peut avoir entre un groupe de filles, des filles qui vont vouloir gagner, mais pas forcément en faisant les choses très bien, parce qu'il y a certaines qui veulent gagner, qui veulent en descendre. Et pour moi, c'est pas une bonne chose. Si tu gagnes, c'est parce que tu l'as mérité. C'est pas parce que t'as descendu une fille qui était plus belle que toi ou qui était plus favorite que toi. Et moi, pour le coup, tout le monde le sait, hein, mais je rebondis dessus. À Miss Nord-Pas-de-Calais, il y a une candidate qui a été vraiment, vraiment très mauvaise, très méchante. Sa famille aussi l'a été. Et pour le coup, je le souhaite à aucune fille parce que c'est pas bien de faire ça. C'est pas vouloir gagner pour les bonnes choses. Quand on est méchante et mauvaise avec les gens, à un moment donné, ça nous revient toujours dans le nez. Et je pense que l'année qui a suivi, ça lui est revenu. Mais donc voilà, c'est vraiment pour dire que c'est la petite chose qui est vraiment. Un petit C'est bug. que tu as des filles qui vont être moins cool, des filles qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Mais à part ça, sinon, tout roule et tout est beau. Voilà. C'est vrai. Ton voyage Miss France, donc le voyage de presse, tu l'as fait où? Et si tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait pendant ce voyage? Alors, mon voyage, du coup, était en deux parties. La première partie, c'était à Palm Springs, du coup, en Californie. Et la deuxième, à Los Angeles. On était à côté de Hollywood Boulevard. Bon, déjà, j'étais hyper heureuse de partir là-bas parce que j'étais jamais partie aux États-Unis de toute ma vie. Donc, tu vois un peu les States en faisant oh, je vais aller aux States, je vais aller sur Hollywood Boulevard et tout. Donc, j'étais vraiment très contente. Bon, moi j'ai pris plutôt l'aventure très bien. J'ai été motivée H24, hein, clairement. Moi, il y avait zéro fatigue. Si je me levais le matin, et Dieu sait qu'on peut être fatigué parce que quand on fait Los Angeles-Châteauroux, qu'on est au soleil et que quand on arrive à Châteauroux, il neige et on a, je ne sais pas quoi, 9 heures de décalage horaire.
Franchement, on peut avoir du mal à se mettre dans le rythme, mais moi, non, c'est psychologique. À un moment donné, je pense que tout est un peu mental. Et moi, je n'avais pas le temps d'être fatiguée, je n'avais pas le temps d'être malade. Pareil, j'ai une petite anecdote. Je commençais à tomber malade pendant le voyage. Il me semble que c'était à Châteauroux. J'ai envoyé un message à mon docteur. Je lui ai dit, il s'appelle Franck. Je lui ai dit, Franck, je lui ai dit, je n'ai pas le temps de tomber malade. Moi, je n'ai pas le temps de me coucher sur un lit pendant que toutes les autres répètent. Moi aussi, je dois répéter. Et du coup, en soi, je n'étais pas vraiment malade. Je commençais à l'être. Il m'a tout de suite envoyé une ordonnance, mes docs, et c'est tout. Moi, vraiment, j'ai été un cheval de course hein, pendant Miss France. J'ai essayé de toujours faire au mieux, de toujours être motivée, de faire face aussi aux commentaires sur les réseaux qui ne sont pas forcément faciles parce que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te soutenir, mais beaucoup d'autres qui vont te descendre. Hein. Tu le sais très bien, toi tu l'as vécu parce qu'ils vont préférer la Miss du Sud ou la Miss de peu importe. Et c'est forcément pas cool parce que quand on est souvent très jeune, quand on se présente, hein, moi du coup j'avais 23 ans donc ça allait encore, j'en avais pas 18. Mais du coup, tu dois tout d'un coup faire face à des commentaires de gens auxquels tu n'avais jamais été soumise et tu te dis mais pourquoi ils disent que j'ai l'air anorexique, pourquoi ils disent que mes joues sont trop creusées, en fait tu dis pourquoi tout simplement ils te critiquent. Donc il faut apprendre à faire face à ça aussi pendant le mois de prépa parce que vu que c'est la course à la couronne, tout le monde essaye de critiquer tout le monde. Et puis écoute, non, ça s'est bien passé, mon passage devant le jury s'est bien passé, j'ai été avec en tête le fait de vouloir leur montrer que j'étais déjà Miss France. Je me suis dit, en fait, quand tu passes devant un jury, il faut toujours leur montrer un peu au-dessus, en fait. Certes, j'étais Miss Nord-Pas-de-Calais, mais j'étais prête à devenir Miss France et je voulais vraiment qu'ils voient, en fait, dans mon discours et dans ma façon d'être. Et j'espère et je pense que ça a marché pour le coup. Et donc voilà, non, tout s'est très bien passé. Los Angeles, Palm Springs, on a fait beaucoup de choses hyper bien. On a fait de la montgolfière à Palm Springs. Ah, Bon, forcément, c'est bien ça. on a fait Hollywood Boulevard. On a fait vraiment des trucs trop cool. On a fait du cheval aussi. Pareil, on était sur les collines d'Hollywood avec le gros Hollywood derrière. Donc, on a eu vraiment beaucoup de chance par rapport à ces activités. Et puis, bon, Châteauroux. Ça va plus vite à raconter, hein. On arrive, on répète tous les jours, tous les jours, tous les jours, du matin au soir. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Et puis après, les répètes sur le plateau, le grand soir. Et voilà. C'est complet. Ah ouais, non, mais moi, quand on me pose une question, j'ai beaucoup de choses à répondre. Mais non, mais c'est bien parce qu'on a vraiment beaucoup de questions et puis il y a quand même beaucoup de personnes. Du coup, ça fait plaisir vraiment d'en savoir plus, quoi. Du coup, raconte-nous comment se passe une année de Miss France. Alors, comment se passe une année de Miss France? Déjà, c'est beaucoup de surprises. En fait, on voit beaucoup à travers des reportages ce qu'est l'année d'une Miss France. Mais on aime bien dire que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte. Et c'est vrai, moi, je me disais, OK, je sais qu'elle prend le train tous les jours, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. On sait qu'en plus, il y a des choses récurrentes dans les années que les Miss font. Donc, moi, je m'attendais à faire mon shooting pour gala. Je m'attendais. Ah, par exemple, aller au Energy Music Awards. Enfin, il y a des gros événements, on sait qu'une Miss le fait. Et du coup, pour ça, t'as hâte. T'as envie de tout vivre. En même temps, t'as envie que le temps passe lentement parce que, du coup, le temps passe très vite au final, même si moi, j'ai profité au max. Tu voyages beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir beaucoup de nos dom-toms que j'avais jamais vus auparavant. Donc, j'ai fait La Réunion, j'ai fait Mayotte. J'ai fait Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Je crois pas que j'en oublie. J'ai fait la Corse. Hein. J'avais jamais été en Corse. C'est marrant parce que c'est vraiment à côté, mais j'avais J'adore. jamais été en Corse. Je suis allée en Russie. Événement marquant aussi de mon année, c'est que j'ai pu assister à la finale de la Coupe du Monde où nos Français ont gagné. Et ça, c'était quand même ouf. Hein. J'étais à Saint-Martin avec Camille et du coup mes dauphines pour l'élection. Et là, on voit que la FFF nous invite et tout dans un gros avion privé, FFF. Enfin bon, on se dit, attends, on ne peut pas rater ça. Imagine, on gagne la Coupe du Oh. Monde. On va s'en mordre des doigts toute notre vie. Et du coup, on a pris un avion jusque Paris. On a changé d'aéroport
pour reprendre un autre avion pour arriver en Russie. Et je crois qu'avec Camille, on n'a pas dormi pendant 36 heures. Enfin, je ne sais plus, une connerie comme ça. Ah. Et pour le coup, petite pépite, on ne s'est pas non plus lavé pendant ces heures-là parce qu'on, de toute façon, on était dans l'avion. Donc, en fait, on ne pouvait pas faire autrement. On est vraiment allé dans le stade. On a assisté au match. Et les Français ont gagné. Très bien. Et on est reparti en France. Direct, mais ça c'était vraiment un truc inoubliable. Je pense que quand tu dis ça, il y a tellement de gens Cool. qui te diraient, mais moi aussi j'aurais voulu y aller. Donc, ça c'était vraiment bien. Et c'est les plus que t'apporte une année de Miss France et que ça t'apporte tellement de bonnes choses. Tu te rends compte vraiment de la chance que tu as quand tu fais, par exemple, moi j'adore le cinéma, hein, mon rêve c'est de devenir actrice plus tard. Tu vois des grosses actrices très très connues, comme il y avait Meryl Streep à un moment donné. À une avant-première où j'étais, ou bien j'ai assisté à l'avant-première de Fifty Shades of Grey. Il y avait les acteurs, oui, ils étaient à côté de moi. Alors là, tu regardes Christian, tu fais oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et tu dis, ouais, quand même, franchement, c'est vraiment un cadeau des Français. Grâce à eux, tu voyages, tu découvres plein de choses. Je suis aussi allée à l'Élysée rencontrer Brigitte Macron. C'était un super moment. Enfin, vraiment, j'ai fait des choses qui sont chères à mon cœur maintenant. Et même aujourd'hui, je suis toujours hyper reconnaissante du cadeau que m'ont fait les Français. Je pense qu'il faut jamais l'oublier. Et il faut encore moins l'oublier quand parfois tu es fatiguée. Hein. On parle des belles choses de Miss France, mais il y a aussi le côté moins marrant, où tu travailles H24 et si tu as un jour de repos toutes les 2 semaines, c'est bien, hein? Parce qu'il faut savoir que même si tu as un jour off, tu peux très bien aller faire quelque chose pour les bonnes fées. Donc même si c'est pas un travail, tu es quand même en représentation. Donc parfois ça peut être assez fatigant parce qu'on est aussi confronté à énormément de gens. Quand on fait des séances dédicaces, il y a 600, 700 personnes, peut-être plus ou moins, ça dépend vraiment des villes où on va. Et parfois quand tu sais qu'il y a une foule pas possible qui fait la queue et tu as 2 heures pour faire les dédicaces et tu as tellement envie de faire tout le monde pour pas que les gens repartent déçus parce que c'est pas marrant d'attendre comme ça debout pendant des heures. Et t'es là et en fait tu t'envoies les gaz, hein, tu dis bonjour, tu fais la dédicace et tu peux malheureusement parfois pas trop t'attarder parce que tu sais qu'il y a plein de gens derrière et t'as envie que tout le monde passe. Et autant dire que c'est des moments qui fatiguent parce qu'en fait on donne notre énergie. Donc le soir, moi j'étais HS, franchement, ça fatigue vraiment beaucoup. Et puis parfois, il y a des matins. Quand tu dois te lever, tu te dis, ah non, moi j'ai pas envie ce matin, j'ai pas envie encore de me maquiller, parce qu'on aime bien parfois rester sans maquillage et tout. Ouais. Et là, ouais, il y a des moments vraiment, t'as pas envie, c'est comme tout le monde en fait, quand chacun doit aller travailler, il y a des moments où on n'a pas envie, même si Miss France c'est très beau, parfois on n'a pas envie d'aller dans un supermarché signer 700 dédicaces en fait, tout simplement. Et on le fait hein, avec grand plaisir. Mais c'est vrai que parfois, on peut un peu traîner des pieds. C'est là où moi, je me rappelais toujours que c'est les Français qui avaient voté pour moi et je dois aussi leur rendre tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vois William qui dit les Red Carpet. Ouais, les Red Carpet, trop bien. Moi, j'ai fait mon premier festival de Cannes l'année dernière. Ça, c'était trop cool. Il dit le gala de Cluny. Ouais, ça, c'était une vraiment vraiment un événement que j'ai préféré faire dans l'année parce que c'est un des seuls où je me suis retrouvée. En fait, le gala de Cluny, ça se passe donc à Cluny, dans l'école des arts et métiers où ils forment, comment on les appelle, j'ai un trou de mémoire, je sais plus, des techniciens, enfin bon, bref. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de jeunes d'un coup et la plupart du temps, quand on fait notre autre travail tous les jours, bon, c'est des mamans, des papas, des petites filles. Et là, c'est vraiment des jeunes de notre âge parce que forcément, ils sont en études. Donc, bon, moi, le gala des Gazards, c'était la fête jusqu'à 7 h du matin d'ailleurs. C'est cool. Mais donc, voilà, il y a vraiment, parfois, c'est ça qui est marrant, c'est que ce jour-là, quand j'étais dans le train, je me disais, mais qu'est-ce que ça va être encore? Et du coup, je demandais à Olivier, qui est notre chaperon, qui reste aux côtés de la Miss France toute l'année. Hein, c'est vraiment lui qui l'accompagne le plus. Les gens peuvent penser que c'est Sylvie, mais non, non, pas du tout Sylvie. On la voit après moi, mon année, je ne l'ai pas vue des masses parce qu'elle était enceinte de Roméo. Mais on est beaucoup plus avec Olivier.
Et du coup, je regarde Olivier, je dis, mais qu'est-ce que ça va être encore et tout. Il dit, non, tu vois, c'est cool, c'est des jeunes, machin. Puis en fait, je partais vraiment avec l'idée que ça allait être pas cool. Et ça a été une des meilleures prestas de mon année. Voilà. Je déverrouille. Du coup, ah oui, ça c'est une question qui est énormément revenue depuis maintenant 15 jours. Quelle est la différence entre Miss Univers, Miss Monde? Et toi qui as participé du coup aux deux élections, est-ce que tu peux nous dire du coup quelle est la différence et quel concours as-tu préféré? Bon, je pense qu'on connaît déjà ma réponse à ça. Moi, j'ai préféré Miss Univers, bien entendu. C'est vrai que pour le coup, on est très peu de Miss France à avoir participé aux deux. Il y a Flora Coquerel. Il y a qui d'autre en Miss? Je ne sais pas si Chloé Morteau a fait les deux. Il me semble que Chloé Morteau a fait les deux aussi. Bon, bref, on n'est vraiment pas beaucoup à pouvoir faire les deux. Et donc, la première année, je décide de choisir Miss Monde. Entre Miss Univers et Miss Monde, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais non, c'est nul, Miss Univers, c'est mieux. Et bon, déjà, moi, je ne savais pas ce que c'était Miss Monde, donc je voulais pas entendre les sons de cloche de tout le monde. Je voulais aussi me faire mon propre avis. Et j'ai surtout choisi Miss Monde parce que c'est là où j'avais le plus de chances de décrocher une couronne. Encore une fois, je faisais un concours international pour aller le plus loin possible. Et là, je voulais vraiment avoir toutes mes chances. Et je savais qu'en partant à Miss Univers cette année-là, je les avais pas toutes parce que Iris venait d'être élue 2 ans avant. C'était hyper récent. Enfin, c'était pas, je pense, le bon moment. Donc, j'ai choisi Miss Monde. Et Miss Monde, bon, quand j'ai su que c'était en Chine, j'avoue que j'étais un peu déçu quand même parce que bon, la Chine, ça m'a jamais forcément fait rêver. Mais bon, c'est tout, hein. Je pars en Chine pour 1 mois. Donc Miss Monde, ça a été quand même très, très, très long. 1 mois en Chine, c'est vraiment très long. Tu es vraiment loin de tout. Le décalage horaire est énorme avec la France. Et puis, je suis arrivée là-bas. Bon, j'avais le décalage horaire dans le nez, sachant que je quittais les Energy Music Awards la nuit précédente. Donc, il faut savoir que cette nuit-là, j'ai dormi 2 heures parce que je voulais profiter au max des Energy. Donc, j'allais faire la fête un peu partout et je suis arrivée à l'aéroport, je sais pas, 3 heures après avoir terminé de faire la fête pour prendre l'avion pour la Chine. Donc, il faut dire que je n'étais pas très, très fraîche, hein. J'étais quand même fatiguée, tout ça. Et j'arrive en Chine, le décalage horaire. Bon, déjà, les Chinois ne savent pour la plupart pas parler anglais, du moins pas où moi j'étais. Et moi, c'était à Sanya, sur une île, en fait, à côté de la Chine. C'est pas en pleine Chine. Et donc, déjà, ça, c'est très bizarre parce que, ben, autant les Anglais, même si on n'est pas bilingue, on comprend un minimum ce qu'ils disent. On n'est pas forcément perdu parce qu'on entend des Anglais à la télé, sur YouTube, peu importe. Tandis que le chinois, quand même, c'est une langue qui est. Bon, donc, j'arrive un peu. Ben, qu'est-ce que je fais là? Comment ça va se passer? Avec beaucoup de questions. On m'attribue ma chambre, donc je me retrouve en chambre avec Miss Allemagne. Par chance, j'ai fait Allemagne à l'école, donc du coup, mon oreille est un peu formée. Hein. Je n'ai pas été très agressée par l'allemand parce que c'est une langue quand même qui est assez agressive. Et direct, on me fait mettre mon costume national. Oh, j'avais pas envie, j'étais fatiguée. Enfin, pour le coup, je suis arrivée, je me suis dit, je pense qu'ils vont me laisser me faire une sieste parce qu'ils savent qu'avec la France, il y a un décalage de fou. Mais non, non, pas du tout. J'ai enfilé mon costume national. Et là, on est parti défiler autour de l'hôtel. Franchement, il faisait je ne sais pas combien de degrés, mais une chaleur pas possible. C'était l'été là-bas, tandis que chez nous, bah, c'était l'hiver. Donc, à peine arrivée, j'ai déjà eu quelques problèmes de peau. En fait, j'ai eu plein de petits boutons ici parce que j'ai fait une réaction allergique au soleil et j'ai eu vraiment des boutons partout. Alors, bah, c'était la cata. Franchement, je suis arrivée comme ça, j'ai été dégoûtée. Tu te dis qu'est-ce que je peux faire parce que surtout que bah voilà, t'es à l'étranger, tu vas pas avoir de docteur. De toute façon, tu vas leur expliquer comment. Parce que bon, moi, pour dialoguer avec les Chinois, ce que je faisais, c'est que je prenais mon Google Traduction, je mettais ma phrase et je mettais le micro, comme ça, c'était la voix qui Parler. mettait la phrase. Et en fait, même comme ça, ils te regardent et puis ils font genre, non, moi, je comprends pas et tout. Tu dis, bah, c'est votre langue, hein, moi, je peux rien faire, hein, quand même. Donc, vraiment, il n'y a pas moyen de communiquer avec eux, hein. Clairement, il n'y a pas moyen du tout.
La vie en chambre, ça allait. Après, Miss Allemagne, ça a été ma pote, mais sans plus, hein, franchement, sans plus. Je pense qu'elle me voyait un peu comme une concurrente. Quand tu es en chambre avec une fille qui est là pour s'amuser, profiter, parce qu'un concours international, attention, on ne l'appréhende pas de la même façon qu'un concours national. On y va pour gagner, mais on relativise. On n'est pas 30, là on était 140 quand même. Donc tu te dis, Ah bon, j'y ouais. vais, mais bon, tout doux le loup. Et donc en chambre, bon, ça allait, c'était pas la folie. Moi, je traînais beaucoup avec les Françaises. Et puis après, première grande étape, je vois qui commande. Première grande étape de Miss Monde, c'est les épreuves. En fait, il y a beaucoup d'épreuves pour se qualifier. Sachant que ça, par exemple, à différence de Miss Univers, on n'a pas ça chez Miss Univers. Miss Monde, ils aiment bien faire, par exemple, une épreuve sur la fille qui sera la plus talentueuse. Donc, elle va présenter un de ses talents. Ça peut être le chant, la danse, jouer d'un instrument, peu importe. Il y a le challenge top model. Ensuite, il y a un challenge sportif entre équipes. Enfin, voilà, il y a quand même plusieurs épreuves et on sait que ça nous permet de se qualifier. Donc, c'est quand même des trucs à pas rater et c'est là où on va tout donner. Et la toute première épreuve est le Miss World Top Model Challenge. Donc là, je me dis, bon, attends, j'ai peut-être des restes de mannequin, là, faut que je donne tout. Bon, après, encore une fois, tu vois, je gardais la tête sur les épaules parce que, comme je dis, on était, je sais pas, 135 exactement, un truc comme ça, 130, 140. Donc tu te dis quand même, parmi toutes les filles, c'est tendu, même si t'aimerais bien gagner, bon, c'est tout, tu donnes le meilleur de toi-même. Et c'est ce que je fais ce soir-là. On a une présélection de 30 filles. Je suis dans cette présélection. Donc là, je suis trop, trop, trop contente. Je me dis, ouais, je suis au moins dans les 30. Et puis après, parmi les 30, ils commencent à annoncer la cinquième, quatrième, blablabla. Et bon, alors là, ils vont finir par la dernière. Et moi, je me dis, c'est soit j'ai rien. Bon, après, franchement, j'aurais pas été étonnée. Comme je dis, on était tellement de filles. Ou soit je gagne. Et puis, c'est très bizarre, mais en fait, quand j'y réfléchis, j'ai un peu eu le même sentiment que j'ai eu quand on a annoncé Nord-Pas-de-Calais à la finale de Miss France. J'étais là, je me souviens, j'étais comme ça. Et en fait, je sais pas, je sentais qu'on allait dire France. Je sentais. Et du coup, vraiment, tu vois, mon cœur palpitait et tout. Et puis là, ils disent France. Oh! Mais juste envie de pleurer. Mais vraiment, envie de pleurer. Ça se voit sur les photos. J'ai envie de pleurer parce que. Ben, je l'ai fait quoi, j'ai gagné, je suis la première sur les 140 pays à me qualifier à Miss World. Donc c'est un peu ouf, je me dis mais c'est cool, en plus je fais mes preuves, je montre aux gens que ben, je suis partie là-bas mais c'est pas pour rien. Je me dis les Français vont juste être hyper fiers, donc j'étais trop contente. En plus de ça, j'ai gagné mon petit trophée que j'ai toujours chez moi, d'ailleurs qui est dans mon salon. Donc ça a été vraiment une bonne première chose qui était encourageante aussi par la suite. Après, j'étais cool. Je savais qu'il y avait plein d'autres épreuves qui allaient arriver, mais moi, j'étais qualifiée. Donc en soi, c'était un peu cool Raoul. Même si, vu que je suis tout le temps hyper motivée pour ce genre d'épreuve, je donnais le meilleur de moi-même. Par la suite, d'ailleurs, on a eu une autre épreuve qui était le Head-to-Head Challenge. Là, on a des questions vraiment... de société, des questions d'écologie, de peu importe, hein, ça peut être vraiment de tout, politique, etc., qui sont pas forcément très simples. Sur la première étape, on peut préparer nos réponses. Donc je le fais et je suis dans un groupe de 5 filles et encore une fois, parmi toutes ces filles, j'allais en présélectionner 30. Je fais mon taf plutôt bien, je suis sélectionnée dans ces 30, donc là, trop contente. Encore une fois. Je reçois une médaille, donc en plus ça me fait un autre petit souvenir, donc je suis contente. Et après je suis en finale avec une autre fille. Et la première chose, quelque chose qui m'arrive et à laquelle j'ai pas été habituée parce que ça ne m'est jamais arrivé, je rate complètement mon discours. Vraiment, je suis là, je perds mes mots, je ne sais plus quoi dire, j'oublie ce que je dois dire parce qu'en fait, je dois le dire en anglais et je suis pas bilingue, je me débrouille, mais c'est pareil, encore une fois, quand on doit parler politique en anglais, c'est une autre histoire, c'est pas comme si tu veux quel hamburger, tomate, salade dedans, bon, ça on sait, mais c'était quand même plus compliqué, donc je suis là, j'ai un trou noir. Oh, vraiment, ça a été pas facile pour moi, déjà niveau fierté et autres, parce que.
Bah, j'avais pas l'habitude. On me connaît parce que je réussis hyper bien mes discours. Et là, c'est pas moi, quoi. Enfin, donc bon, j'étais très déçue. J'ai réussi à terminer, hein, malgré tout. Mais donc, je n'ai pas gagné à cette finale. Et en soi, c'était pas bien grave parce que j'étais déjà sélectionnée avec le type de top modèle. Donc, c'était bien. Et puis après, bon, bah, quoi dire d'autre? Il y a eu les autres épreuves, hein, donc j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Et effectivement, Brian, c'était Miss Île Maurice, effectivement, qui était en face de moi en finale. Et donc, bah, après, on commence à répéter dans la salle. Moi, il y a une équipe de 60 minutes, je sais plus, d'M6 qui vient. Donc là, c'est cool, je me retrouve avec des Français très, très gentils. Ça me fait du bien. De voir des Français, de voir des nouvelles têtes, parce qu'encore une fois, un mois, c'est hyper long. Et puis, bon, arrive le grand soir, et puis avant le grand soir, il y a Sylvie, Estelle, Arnaud qui arrivent. Alors là, je suis, franchement, c'était ma famille, j'aurais pu les prendre dans mes bras comme pas possible. De toute façon, on s'est serré dans les bras, mais j'étais tellement heureuse de les voir, parce que c'était la fin, parce que, ben, franchement, la vérité, quand je prenais mon petit déjeuner, bah, je mangeais mes céréales et je me disais, bon, là, il reste combien de jours? Et en fait, je comptais les jours quand même, hein, pour rentrer. Et c'est des trucs qu'on ne voit pas forcément dans les concours. Hein, même si j'ai donné le meilleur de moi-même jusqu'au bout, c'était très long. J'avais envie de rentrer en France. Je savais qu'en plus, ben, la promo bah, de Vibe, du coup, était à Lille, qu'elles étaient en prépa. J'avais envie d'être avec elles. Oui, c'est vrai, tu Bref. n'étais pas là, toi. J'avais envie de rentrer et donc je parle avec Sylvie, tout ça, le soir avant l'élection. Elle me dit, mais Eva, si tu gagnes Miss World Europe, tu dois rester là encore 10 jours. Ah, je dis non, non, Sylvie, c'est hors de question. Moi, je repars avec vous, je ne reste pas là. Surtout que là, je vais aborder quelque chose de délicat aussi, puisque j'en ai pas forcément parlé. Donc, franchement, là, vous qui êtes ici en live avec nous, vous avez vraiment des petits potins. Il y a eu un autre aspect hyper négatif de Miss Monde, c'est que j'ai manqué de nourriture. Vraiment, quand je dis que c'était un manque. On avait des buffets, c'était les mêmes, mais je ne mens pas, midi et soir, tous les jours. Pendant un mois, c'était les mêmes. Et en plus de ça, je suis pas difficile en nourriture. Hein. Moi, la cantine de mon lycée, je me régalais tout le temps. Mais là, la nourriture avait pas de goût, en fait. La purée n'avait pas de goût, les brocolis n'avaient pas de goût, les nuggets n'avaient pas de goût, rien n'avait de goût. Puis en plus de ça, bon, on mangeait pas chinois. Donc je chantais même mon corps, j'étais en manque de sucre, enfin vraiment j'avais faim et en plus de ça on n'avait pas le droit, faut savoir, hein, pendant les concours internationaux on n'a pas le droit de se déplacer toute seule pour aller où on veut, c'est complètement interdit, il faut toujours avoir une team leader avec nous ou une nurse et ben j'en avais une hein, d'ailleurs à qui que j'ai revue à Londres en décembre parce que c'est une femme que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'aimais énormément. Je me suis beaucoup rapprochée d'elle aussi pendant le mois. J'avais quelqu'un qui me confiait, qui était sur place. Donc ça, c'était bien. En plus, elle était française. Donc c'était vraiment l'avantage. Et en fait, bah, elle nous emmenait dans un magasin où on pouvait là acheter à manger. Mais dans ce magasin, bah, en fait, à part de la viande séchée et des trucs bizarres chinois, bah, tu vois, en fait, il n'y avait rien, clairement. En plus. Les trucs chez eux sont vraiment pas comme chez nous, même si c'est la même marque, c'est pas pareil. Et la seule chose que je pouvais acheter, c'était des sneakers. Hein, voilà, il y avait vraiment que ça. Et du coup, bah, en fait, toutes les filles hein, du monde entier n'achetaient que des sneakers. Donc du coup, bah, parfois quand j'y allais, j'avais pas de sneakers. Et clairement, j'ai énormément maigri pendant Miss Monde. Franchement, j'ai beaucoup maigri. Quand même, ça a été. Quand j'y repense, c'était vraiment pas cool. Parce qu'autant quand t'as à Miss France, ta famille peut t'envoyer des colis. Mais là, en Chine, attends, si tu t'envoies de la bouffe, les douanes, ils vont t'ouvrir le colis, tu ne l'auras jamais. Donc, c'était pas possible. Et bah donc c'est tout. Hein. De toute façon, c'était fini, on arrivait au bout. Donc tu vois déjà pour tout ça, en fait, j'avais juste envie de rentrer en France. J'avais tellement envie de manger des bons plats français parce que en France, on a tellement de chance, notre cuisine est tellement bonne. On peut aller dans n'importe quel resto, on a 9 chances sur 10 qu'on se régale en fait. Hein. Il y a C'est rares ça. restos où bon, on va tomber sur des C'est trucs pas pas cool. cool. Ouais. Donc, bon, bref, arrive l'élection, le jour J. Donc, moi, je sais pertinemment que je vais être appelée dans le top 30. Donc, bon, encore une fois, je suis plutôt à l'aise, hein, parce qu'il y a d'autres filles qui ne savaient pas. On était quelques-unes à s'être qualifiées, mais il y en a d'autres qui ne savaient pas.
Donc après, on repasse devant le jury. Et puis là, après, il annonce du top 12. Je croise les doigts, je croise les doigts fort, fort, fort. Je suis appelée dans le top 12, donc trop contente. Avec d'autres filles du continent Europe, certaines à qui je ne m'attendais pas du tout à voir dans... On était trois hein, du continent Europe à être appelées. Et après, on a eu à prendre la parole. Donc là, pour coup, j'ai fait simple, j'ai fait concis et j'ai pas raté mon discours. Donc ça a été cool, j'ai fait simple, mais voilà, j'ai réussi à dire ce que je voulais dire en tout cas. Et puis après, en fait, par continent, il y a une gagnante et moi, je n'ai pas gagné du coup pour le continent Europe. Donc j'avoue que ça, j'étais un peu déçue parce que même quand je suis rentrée, du coup, on était dans des genres de tribunes, toutes les filles d'Europe, en fait, me regardaient et elles ne comprenaient pas. Parce que franchement, j'ai été hyper favorite, supra favorite sur les réseaux déjà en tant que Miss World. Et là, de même pas être Miss World Europe, pour le coup, j'étais un peu déçue quand même. Mais franchement, j'allais rentrer en France. Alors, j'étais tellement contente. Franchement, non, mais c'est vrai, j'étais tellement contente de rentrer en France. Et bah, le soir même, avec Sylvie, Arnaud et Estelle, on décide bah, de sortir et d'aller manger. D'aller manger quelque chose de bon. Et donc ce soir-là, on va manger un truc moi délicieux. Je me suis régalée comme pas possible. Le lendemain, autre petite anecdote très marrante qui va plaire aux gens, c'est que en fait Sylvie me dit ouais, hier on est allé se faire un massage parce que là-bas, on sait bien que les massages ne valent pas cher du tout. Et puis elle dit on va leur faire un demain si tu veux. Moi j'étais là ouais, trop bien, massage après ce long mois et tout avant de reprendre l'avion. Et donc, ben, on va dans ce truc de massage qui est très bizarre. Très, très bizarre. Et moi, j'ai plutôt un bon instinct. Et là, je dis, Sylvie, c'est un truc de prostituée, tu vois. Enfin, t'es sûre que c'est un truc de massage? Elle me dit, mais oui, t'inquiète. Et là, avec Arnaud qui n'est pas forcément rassurant en général, il me regarde, il me dit, oh, chez Arnaud, me laisse pas toute seule avec elle dans la salle. En fait, tu vas te faire masser sur un lit, déjà. C'est bizarre. Il y a une baignoire à côté, c'est encore plus bizarre. Donc bon, bah, de toute façon, en fait, je dis, on va se faire masser à deux. Elle a dit, non, 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 tout seul et tout. Je dis, bon, ok. Donc je vais me faire masser toute seule. Et bon, bah, moi, pour le coup, elle n'a rien fait de chelou. Mais je sais qu'Arnaud, elle a parfois été près de, tu vois, où il faut pas aller. Donc là, quand même, quand il est sorti, il m'a dit, ouais, je crois que c'est bizarre. Et après, j'en ai eu le cœur net. Quand j'étais dans la salle d'attente, il y avait un homme avec... une masseuse, voilà, il y avait quand même quelque chose de très très ambigu. Hein. Je ne vais pas donner les détails, mais là j'ai regardé Sylvie, je lui dis, je te l'avais dit que c'était un truc de prostituée. Et elle dit, oui, bah c'est bon, de toute façon, on paye, on s'en va. Et donc on est parti, et franchement, on en reparle souvent parce que c'était marrant en soi, c'est une anecdote qui est quand même marrante. Et puis, bah, c'est tout, après je suis rentrée en France, donc voilà, je ferme le livre pour Miss Monde, hein, c'était déjà assez long. Mais donc, Miss Sixième Monde, dauphine. comment? À Miss Monde, tu as bien fini du coup sixième dauphine, puisque là je regarde un petit peu. Bah... Je sais que non, Miss Monde, je ne connais pas mon classement exact. Je sais que j'ai fait un top 12. Après, peut-être que sur Wikipédia, ils ont mis des trucs, mais en soi, même à Miss France, ils ne leur ont pas donné de résultat exact. Donc, Ok. je sais pas vraiment juste, je peux dire que j'ai fait un top 12. Donc, pour tout ça, déjà, on peut peser le pour et le contre. Hein. Miss Monde, bah, c'était pas la folie, j'ai manqué de nourriture et machin. Bon, bref. Donc après, bah, l'année suivante, Veil du coup décide de ne pas faire de concours internationaux et je me doutais qu'on allait quand même me proposer parce qu'on sait que moi j'adore les concours et donc forcément on me propose. Et par chance, c'était très bien en fait d'avoir fait Miss Monde avant d'avoir fait Miss Univers parce que pour le coup, bon, on va dire que c'était un exercice en fait Miss Monde et puis comme ça j'allais au truc plus sérieux Miss Univers. Et donc, Miss Univers, bon, déjà, grosse surprise et très bonne surprise. J'arrive en chambre, je décide d'hyper bien accueillir ma coloc en disant, vas-y, on va partir sur des bonnes bases. Hein. J'ai pas envie que ça soit pas cool comme j'étais à Monde. Donc là, je suis welcome et tout, I'm friends et tout. Bon, elle me dit, hey, salut Maëva. Donc en plus, une Française. Je lui dis, mais génial, elle est Française. Et c'était Miss Portugal. Qui me dit j'ai voté pour toi à ton élection alors qu'en plus qui est une fan des Miss France
est trop cool, qui me suit déjà depuis longtemps. Je dis, bah, top, en fait. Et donc, je me retrouve en chambre avec elle. Ça a été bah, le bonheur. Et Dieu sait que je suis très exigeante sur beaucoup de choses. J'aime bien, j'ai mon petit confort. J'aime pas qu'on touche à mes affaires. C'est par exemple quelque chose qu'il ne faut pas faire. Un touche à mes affaires, ça peut vraiment m'énerver. Surtout si t'as pas demandé. Et bah, là, j'avais rien à dire. Ah non, ne touchez pas à mes affaires, rien. Parce que je sais que je connais les filles. Hein. Il y en a qui le font facilement, qui ont qu'une gêne ou parfois peut-être un manque d'éducation, mais alors là j'avais rien à dire. Donc j'étais vraiment avec une copine en pote dans ma chambre, donc c'était vraiment cool. Et puis même j'ai pas pris l'aventure de la même façon, déjà parce que j'avais pas mon année de Miss France en amont qui m'avait fatiguée, parce qu'une année de Miss France c'est quand même fatigant. Ouais. Donc qu'en plus t'arrives à un concours international, c'est pas pareil. Là, j'étais hyper reposée. Ben, en plus, j'avais changé totalement de look parce que j'étais passée au carré. Et ben, ça me changeait aussi de physique. Et c'était, je pense, plus intéressant de me présenter comme ça à Miss Univers que si je l'avais été justement un an avant. Et je réponds à la question de Kevin. Oui, bien sûr, je suis restée en contact avec Miss Portugal. Et d'ailleurs, je devais aller avec elle au Grand Prix de Monaco. Mais bon, ça a été annulé, donc on peut pas. Mais donc, bien sûr, c'est resté ma copine. Et bah après Miss Univers, bon, on a quand même plus de répètes qu'à Miss Monde. En soi, je trouve que les musiques, le show en lui-même est mieux parce que c'est un show à l'américaine. C'est une équipe anglaise qui nous forme en fait pour Miss Monde. Donc c'est quand même déjà deux pays totalement différents. Les approches sont pas les mêmes. Les goûts musicaux ou les danses sont totalement différentes. Donc déjà, je m'épanouis beaucoup plus à Miss Univers. Et Miss Univers, déjà, je pars pour une semaine et demie. Donc une semaine et demie, pour moi, c'est du gâteau. En fait, c'est un aller-retour en France. J'avais fait un mois en Chine. Donc là, une semaine et demie, j'étais hyper contente. À Atlanta, en plus. Donc, ville plutôt cool. Enfin, voilà, c'est les US. Donc, j'étais contente. Ça se passe très bien avec les autres candidates. Je n'ai aucun problème avec les autres candidates. Peut-être le deuxième jour, je crois, au petit déjeuner. Bon, c'est pas vraiment un problème, mais ça arrive. Il y a des filles qui font ça. J'avais pris des fraises au petit déj. Et là, je prends une fraise qui était franchement très grosse. Et bon, je sais pas pourquoi je la coupe pas. Je décide de la mettre direct dans ma bouche. Donc, elle était très grosse. Et je vois que je ne sais plus le nom de cette fille parce qu'il y a trop de pays. Sachant qu'à Miss Univers, on est 90 filles. Donc, on est déjà beaucoup moins de filles. Pour moi, tout est plus léger, en fait, hein. J'arrive à Miss Monde, ça dure une semaine et demie, on est 90. Déjà, quand tu fais le ratio, c'est plus cool. Et je reprends avec ma fraise, juste au moment où je décide de la mettre dans ma bouche, elle fait une story. Alors, je l'ai regardée, je crois qu'elle a vu à mon regard que bah, il fallait pas faire ça. En fait, c'était vraiment comme ça, elle avait France dans sa story qui mettait, parce que pareil, je suis partie en tant que favorite quand même, plus ou moins top 5 et top 10 pour Miss Univers. Donc les filles savent. Avant que tu arrives, elles veulent voir France. C'est comme moi, avant d'arriver là-bas, je voulais voir Venezuela. Bah, d'ailleurs, c'est la toute première que j'ai vue parce qu'elle est arrivée à l'aéroport avec moi. Tu as envie de voir Brésil, tu as envie de voir les filles qui se démarquent déjà sur les réseaux. Ouais. Et bon, bah, je pense qu'elle, pour le coup, ça l'avait fait rire de faire ça, mais rien de bien méchant. Et bah, j'ai croisé beaucoup de Français en fait aux États-Unis. Il y a beaucoup de Français, donc tout le monde était là, hey, France, France. Donc ça, c'est cool. Puis ils sont tous hyper friendly. Enfin, c'est pas comme en Chine en fait. Déjà là, tout le monde te parle, tu parles à tout le monde, tout le monde est pote avec toi alors que tu les connais même pas. C'est vraiment les États-Unis en Chine. Bah, t'es pas pote avec les gens en fait, tout simplement. Déjà, ils sont pas accueillants de la même façon. Ils sont très très sectaires, hein, les Chinois. Donc déjà, tu vois, tout ça, c'était totalement différent. J'étais aux anges, je suis arrivée à l'aéroport, ils ont fait « Hey Miss France, how are you? » et tout. J'étais là « Oh, trop bien Mais Eva, je !» te coupe deux minutes, il reste juste une minute. Du coup, je vais couper le live là et relancer Ah après. oui, ok, vas-y. Bah Donc, je vas-y, vous fais-le dis à tout maintenant. de suite. Ouais. Bon, j'espère que pour le moment ça vous plaît. Oui, c'est vrai que là ça fait déjà 1 heure, ça passe super, super, super vite. Hop, j'arrive de suite.
Merci beaucoup pour tous ces petits compliments. Ouais, je parle tellement, mais en plus. Franchement, un monde de fous, 7095 spectateurs. Ah, c'est cool ça, Ouais. c'est bien. Bah, en même temps, je ne sais pas sur quoi vous vous basez du coup en moyenne, mais bon, c'est bien. Non, c'est vraiment cool. Et bon, en fait, c'est ça le truc, c'est que comparer Miss Monde et Miss Univers, si j'ai vraiment envie de raconter les histoires et qu'on comprenne les Oui. différences, bah, c'est forcément long. Mais bon, Miss Univers, du coup, ça va plus vite à raconter quand même, vu que ça a duré une semaine et demie. Ouais. Et bon, Miss Univers, on sent tout de suite aussi les filles qui peuvent se détacher, parce que clairement, là-bas, ils n'en ont rien à faire de te mettre en avant, toi, plutôt qu'une autre. Hein. Ils ne se cachent pas du tout. Donc, si ces pays-là, c'est toujours les mêmes qui sont appelés pour faire des photos ou des trucs. Ils n'en ont rien à faire. Et bon, c'était mon cas. J'étais appelée pour faire des shootings et beaucoup plus que d'autres pays. Donc, j'étais contente. Ça me mettait quand même en bonne posture. Et puis, bah, Miss Univers, on a un passage devant le jury aussi, là, qui est très sérieux. Parce que Miss Monde, bon, Miss Monde, déjà, on passe à deux, on a 30 secondes et ils ne nous posent pas de questions, juste on parle 30 secondes et c'est tout. Tandis que Miss Univers, on est déjà accompagné de notre interprète. Donc, moi, j'avais demandé une interprète parce que ce que j'ai envie de dire et l'expliquer au mieux, je sais mieux le faire dans ma langue maternelle qu'en anglais. Même si, bien sûr, j'avais pris des cours d'anglais avant de partir à Miss Univers. Et j'étais beaucoup plus à l'aise, d'ailleurs, en anglais à Miss Univers que je ne l'ai été à Miss Monde. Je m'étais entraînée à regarder des séries en anglais sur Netflix. Ça, c'est un petit tips. Pour le coup, ça aide bien. Et donc, grosse journée quand même l'entretien parce qu'on va déjà pour la première fois rencontrer officiellement les journalistes du monde entier parce que Miss Univers, c'est hyper, hyper célèbre en fait. Et il y a vraiment des gens mais qui viennent de Thaïlande à l'hôtel et qui restent une semaine dans l'hôtel. Et tous les soirs, quand on va au restaurant, ils sont en bas, dans le hall, écrits, prennent des photos. Enfin, il y a vraiment des fans vraiment qui adorent ça. Et attends, du coup, je disais quoi? Je voulais rebondir sur quoi? Je Je sais plus, sais plus. c'était quoi le début de ma phrase? Je veux dire tellement de choses en même temps. Il y a tellement de choses à raconter aussi. Ah oui, voilà, c'est ça, le passage devant le jury. Et Oui. donc, bon, ce jour-là, avec William, on avait prévu une tenue, un truc très simple, parce que, bon, on parle beaucoup avec lui, avec Iris, bah, comment se vêtir, hein, parce que c'est important quand même. Et donc, on avait prévu une tenue, et en fait, pareil, ça, les gens ne le savent pas, hein, mais moi, j'ai décidé au dernier moment de changer la tenue. J'envoie un message à William, bien sûr, je le consulte, je ne prends pas les décisions de mon côté, hein, parce qu'on a fonctionné en équipe quand même pour tous les looks, etc. Donc je lui dis, écoute, cette robe-là, franchement, je ne vois pas l'intérêt. C'était parfois, il y a des choses, je ne vois pas d'intérêt dans certaines choses, et là, dans cette robe-là, je ne voyais pas d'intérêt dans ce look. Il n'y avait pas d'intérêt, en fait. Donc je lui dis, on va changer, je mets le costume et tout. Et donc, en fait, je change totalement au dernier moment bah, le look qui était prévu pour l'entretien. Et bah, là, mon look, du coup, a fait énormément parler. Et ça, c'était génial. Je ne pensais pas que ça allait faire autant parler. Ils ont dit, mais en fait, Miss France, Totalement. elle a des couronnesses, en fait. Elle vient, elle est là. C'était un look très masculin hein, que j'avais pris. C'était très Saint-Laurent, plus en même temps. C'était un smoking qui faisait très Saint-Laurent. Et j'avais bah, les cheveux en arrière, rouge à lèvres rouges. Donc, niveau make-up, j'avais fait plutôt simple, mais la tenue était assez marquante. Et bah, les journalistes me disaient, mais waouh, enfin, c'est extraordinaire le look que tu as. Les filles sont toutes en robe. Enfin, tu vois, C'est les ça. robes que aiment bien porter les Miss. Ouais, exactement, c'était ça. Voilà. Et ouais, du coup, bah, ça a fait hyper parler parce que c'était une tenue bah, qu'on n'avait quand même jamais vue pour un entretien. L'entretien se passe très bien. On s'était entraîné déjà en plus en amont avec ma traductrice. Et bien sûr, il me parle des gilets jaunes. Hein, c'est une question dont je me souviens, mais je savais qu'ils allaient me la poser. J'avais 99% de chance sur 100. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'il faut se tenir informé. Quand tu fais des concours de Miss, tu es obligé d'être informé quand même de ce qui se passe dans ton pays, de l'actualité. C'est vraiment ça, un minimum. Et je savais que les Gilets jaunes venaient de fêter quelques jours avant leur 1 an. Donc, je commence comme ça. Je dis, bah, justement, ils viennent de fêter leur 1 an. Donc, genre,
sais, je leur dis, moi, je sais, je suis bien au courant de tout ce qui se passe. Et donc, je leur donne mon avis. Et puis, le mec qui a posé ma question, en fait, il notait, puis en même temps, il faisait ça. Genre, bah, il acquiesçait en fait tout ce que je disais. Je suis, ah, bah là, j'ai marqué des points. Et tout s'est très bien passé parce que j'étais hyper à l'aise. Enfin, voilà, pour le coup, c'était mon habitude hein, quand je fais mes discours. Donc, tout s'est très bien passé. Et puis bah après arrive, oh là là, on y vient, la présélection, le soir de présélection. Donc là, bah, je passe au maquillage, à la coiffure. Je suis pas contente de ma coiffure, donc je passe entre trois personnes différentes jusqu'à avoir ce que je veux. Je voulais un léger wavy, enfin, encore une fois, dernier moment avec William, on change de coiffure parce que. Il y avait d'autres candidates qui avaient des carrés et je ne voulais pas me retrouver comme avec ces filles-là. Enfin, pas même coiffure, j'étais vraiment là pour me démarquer. Donc, c'est vrai que pendant un concours international, au dernier moment, tu peux être amené à changer quelque chose et ça, bah, c'est le jeu un peu. Donc, bon, voilà, bref, présélection. Premier passage, bah, est-ce que c'était le maillot de bain, premier passage, du coup, je ne sais plus. Ouais, je crois. Ouais. Il me semble que c'était le premier passage en maillot de bain. Ah non, c'était en robe Cherry Hill où on crie France. Déjà, on s'entraîne à crier d'autres pays. Donc ça se passe bien. Et puis après, vous connaissez tous la suite. On arrive au fameux moment du maillot de bain. Donc bon, moi plutôt cool. Hein. En plus, je change de talon. J'ai pas les mêmes talons pour la robe que pour les maillots de bain. J'ai des plus petit talon pour le maillot de bain, pour moi c'est des chaussons hein, parce que les talons sont pas hauts donc ça va. Sachant que les talons que j'ai pour la robe de soirée font, je sais pas, au moins 14-15 cm donc rien à voir. Donc, bref, voilà, bah, je fais mon défilé, j'arrive en bout de proscénium et là je fais pour repartir. Et donc, vous connaissez tous la vidéo, hein, je tombe. Clairement, ce moment-là, j'ai pas le temps de réfléchir, ça s'est passé tellement vite qu'en fait, pour moi, je me suis retournée, j'étais par terre. J'étais par terre, et là, bah écoute, il faut tout de suite réagir, en fait. Hein. C'est des trucs où t'as pas l'habitude, t'es pas habitué à ce genre de choses qui peuvent te mettre tout de suite en mauvaise posture. Et bah en fait, je pense que c'est vraiment moi, ça me représente bien. Je me suis dit, bah écoute. Tant pis, je suis par terre, et ben je me relève. Hein, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc, en plus, il y a une photo qui est trop marrante où je fais ça avec ma mèche et je suis comme ça. Parce que je me dis quand même, ah merde, je suis par terre. Et donc, je me relève sans réfléchir à rien. Je réfléchis même pas en me disant comment tu vas te relever, fais-le bien, fais-le élégamment. Parce que c'est des questions qu'on pourrait se poser. Mais non, je me pose aucune question, je me relève. Heureusement, je fais les choses quand même en étant assez élégante. Et donc là, je regarde le jury et qui était composé pour la plupart que d'anciennes Miss Univers. Il y avait Catriona Gray qui était derrière au micro et qui a tout de suite dit faites du bruit pour Maëva, Miss France. Alors là, la salle s'est levée, tout le monde applaudissait. En fait, j'avais l'impression de gagner tout de suite Miss Univers, hein, carrément. Et ça a été cool parce que les gens, bah, en fait, m'ont vraiment supporté. Parce que bah, dans d'autres pays, ça aurait peut-être été différent. Mais là, bah, vu qu'on avait beaucoup de gens qui adorent les Miss, qui sont fans de ça, eh ben, ils m'ont vraiment encouragée. Et puis, bah, j'ai regardé le jury et je suis bon, bah, j'y retourne. Et on me voit faire ça, je la regarde, je fais, j'y retourne. Et donc, je retourne et tout de suite derrière, il y a plusieurs personnes qui m'attendent, le docteur, etc. vient me voir, est-ce que tu t'es fait mal, ça va et tout. Donc, pour le coup, ils sont assez clean, hein. Franchement, ils prennent le soin de venir te voir. Et je ne me suis pas fait mal du tout, hein. Vraiment, j'ai eu aucune trace, rien. Je pense que j'ai rebondi sur mes fesses, hein. Donc, rien de grave. Et puis après, bah, on termine par bah, du coup, la robe de soirée, la robe qu'on va porter le jour J et le costume national. Donc pour la suite, ça se passe bien. Je reviens un peu en bombe en me disant, bah, je vais vous montrer en fait que je suis tombée, mais j'ai les épaules pour me relever et tout va bien. Et donc je fais encore plus la belle quoi en robe de soirée. D'ailleurs, ce passage est trop beau. C'est un de mes préférés. J'avais tout réfléchi à la pose et tout. Enfin bon, bref, ça se déroule très bien jusqu'à la fin.
Et puis après, j'ai tout de suite pris mon téléphone quand je me levais. Et puis, j'ai dit aux gens que tout allait très bien parce que je recevais plein, plein, plein de messages de gens qui me disaient, ça va, est-ce que tu t'es passé Ouais. mal? Nanana. Et par chance, j'aurais très bien pu me tordre la cheville. Donc, vraiment, j'ai eu de la chance. Et du coup, le lendemain, c'est l'élection. Le lendemain, je suis assez stressée. Hein. Franchement, je suis plutôt pas mal stressée. Du coup, à un moment donné, je mets mes oreillettes, j'écoute ma musique, j'écoute mon petit Riles. C'est un de mes chanteurs préférés. Et vraiment, ça me fait du bien. Ça me change les idées parce qu'il y a vraiment une atmosphère stressante, en fait. C'est vraiment très stressant. Et donc, je fais mon maquillage, la coiffure, je retire des faux cils qu'on m'a mis parce que ça n'allait pas du tout. Donc, tu vois, comme quoi, il y a quand même beaucoup d'aléas où il faut faire face, où tu dis, est-ce qu'elle va le voir? Je veux pas qu'elle le voie, je veux pas qu'après elle fasse remonter l'info que j'ai derrière, je me fais maquiller et après je retire. Donc bon, entre-temps, j'arrive à appeler William et Arnaud en direct, du coup, qui sont chez William pour regarder l'élection. Et je leur montre le make-up. Ils me disent, il manque ça, fais ça et tout. Donc je fais les ajustements. Et puis après, c'est tout. On met la première robe. Si j'avais su, j'aurais pas choisi la robe que j'ai portée parce qu'elle était très longue avec des franges à perles. Ce qui fait que je marchais sur les franges à perles, les perles craquaient et partaient sous les talons, donc autant dire que c'était hyper casse-gueule. Et en fait, c'est bien mieux de commencer avec une robe courte, mais j'ai été dans les dernières à choisir ma robe Cherry Hill, il n'y avait plus grand-chose, donc j'ai dû faire avec les moyens du bord et j'ai pris une des plus belles robes qui restaient, mais du coup, c'était celle-ci. Mais un petit conseil, il faut choisir la robe courte, c'est mieux, surtout que toutes les filles sont en courte pour le premier passage. Donc on fait le premier passage. Là, c'est pas comme à Miss Monde. Je ne sais pas du tout si je vais faire un top ou pas parce que j'y a rien eu à gagner ou rien ne t'a qualifié forcément avant. Mais en soi, bon, je me faisais pas trop de soucis. C'est comme pour Miss France. Miss France, je me disais que j'allais être dans les 12. Là, je me dis, ça devrait passer. Tu seras dans les 30. Et donc, effectivement, je suis dans le top 30. Donc très contente. Ouais, 30. Ouais. Et puis après, alors là, on doit rester sur scène. Bon, j'avais. Qui disait que, on devait rester une demi-heure sur scène sur les talons avec la chaleur. Et pour le coup, on n'était pas très très bien. Mais les Américains font les choses très bien. Et ça, c'est marrant à raconter parce qu'on ne peut pas le savoir forcément. Et il y a du staff qui vient en fait avec un gros carton. Et du coup, qui a la petite bouteille d'eau avec une paille dedans parce que pour pas gâcher le rouge à lèvres, ils viennent avec une paille et ils mettent le prénom, bah, le pays de la fille sur la bouteille. Et chacune a sa petite bouteille, ils nous passent la bouteille et tout, puis ils repartent. Parce que c'est clairement un moment très long. Hein. On ne se rend pas compte, mais nous, c'était une éternité. J'en pouvais plus. Je ne sentais plus mes doigts de pied. Vraiment, je ne sentais plus mes doigts de Ah pied. ouais. Et donc, bref, après, on sait qu'on va devoir repasser et parler à Steve Harvey. Donc là, c'est un monument, ce mec. Hein. C'est quand même en Amérique, à la télévision, il est très, très connu. Donc on se dit, bon, là non plus, il ne faut pas se rater. Et moi, ma première question, on connaît nos questions, hein, bien sûr. C'était, il paraît que vous avez mangé des yeux de poisson, de la cervelle, pourquoi? Et c'était par rapport à Fort Boyard, en fait. Et donc du coup, je lui ai dit oui, c'était pour un jeu, pour une asso, voilà. Et après, il y a un autre passage où là, on doit parler de quelque chose de nous, en fait, qui fait un peu la différence. Et bien entendu, je décide de voir avec le comité et puis William, tout ça, quelle réponse serait la mieux. Et on décide de choisir une réponse qui, en fait, n'était pas la bonne avec du recul parce que quand on entend celle des filles et la mienne, il y a un monde, moi j'ai plutôt parlé quelque chose d'assez simple. Enfin, il fallait, je pense, avoir quand même un discours plus profond. Et pour le coup, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, on peut pas avoir bon sur tout. Mais ma réponse, enfin, je l'ai eue, hein, bon, j'ai fait mon discours qui était très bien, mais c'était quand même à côté des autres filles, un peu à côté de la plaque, hein, clairement. Oui. Et puis, après, on va savoir si on fait un top 10.
Donc là, j'ai peur. Là, clairement, j'ai peur. Je me dis, ouais, c'est bien le. Ou c'était un top 20, en fait. C'était un top 20, pardon, pas un top 30, mais je mélange avec Miss Monde. Et donc là, je me dis, j'ai envie vraiment de faire un top 20. Et un top 10, pardon. Et bah, donc, ils appellent France. Alors là, oh, je suis trop contente. Je me dis, ouais, je me rapproche de cette foutue couronne. En plus, qui était toute nouvelle mon année, ça a été une nouvelle couronne qui est juste incroyable, très très belle. Et il n'y a pas de passage, il n'y a pas de prise de parole en fait entre le top 10 et le top 5. Donc on est plutôt cool, on a juste à défiler en maillot de bain et en robe de soirée. Et ce qui est bien parce qu'en fait, si on ne fait pas ce top 10, les gens et notre pays ne nous verra pas en robe du soir. Donc bon, bref, on le fait. Et puis après, annonce du top 5. Donc là, je ne suis pas dedans. Je suis déçue. Mais en même temps, bah, j'aurais rien pu faire de plus. Franchement, c'est un peu ma manière de raisonner. C'est qu'il y a des choses qu'on fait bien et il faut essayer tout le temps de donner le meilleur de soi-même. Mais bah, en fait, tu contrôles pas. Donc à partir du moment où tu as donné le meilleur de toi-même et que bah, tu n'as pas fini dans le top 5, c'est que tu ne maîtrises plus, tu maîtrises pas le destin en fait. Donc moi, j'étais fière de moi, j'avais réussi, j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Et puis après, bah, c'est tout, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc effectivement, j'arrive en 7e place à Miss Univers. Les gens aiment bien dire 6e dauphine, hein. Mais du coup, j'arrive en 7e. Donc, c'est une belle place, un beau résultat parce que depuis Iris, aucune Miss France, enfin, aucune en tout cas candidate, n'avait eu un classement à Miss Univers. Donc, j'étais contente de ramener cette place pour mon pays et puis j'étais contente de rentrer chez moi. Même si c'était pas comme à Miss Monde, je rentrais chez moi, mais. C'était cool, j'étais pas là en me disant ouais, j'ai trop trop envie de rentrer. Non, je pense que Miss Univers m'a apporté beaucoup dans le sens où ben, on a encore plus pu me découvrir, notamment grâce à cette chute. Et puis, je me suis épanouie et vraiment amusée pendant Miss Univers. C'était non, vraiment, j'ai kiffé. Donc, entre les deux, pour revenir à ta question initiale, je choisis bien sûr Miss Univers. Il n'y a pas photo, même si tu vois, Miss Univers, je suis tombée, pas à Miss Monde. Rien à voir, la chute, c'était pas grave. Je me suis vraiment amusée à Miss Univers, les gens étaient cool. Je suis beaucoup plus proche aussi des autres Miss de Miss Univers que de Miss Monde. Donc voilà, il n'y a pas photo. Je dirais toujours Miss Univers. Mais du coup, quand on nous posait la question, moi je disais, enfin, la différence que moi je pense, enfin que je pense toujours, c'est que Miss Monde, c'est un peu plus aussi caritatif, puisqu'il faut avoir un projet à Miss Ouais, Monde. il faut avoir un projet. Tiens, je te réponds après. Je vois une question de Léo qui est très intéressante. Tu étais proche de Zuzu Nitimon. Bon, elle m'excusera si je le prononce pas bien, mais du coup, c'est Miss South Africa. Non, alors pour le coup, je n'étais pas proche d'elle du tout. On traîne souvent entre pays, hein, et là, pour le coup, ben non, j'étais pas du tout proche. Je pense que on s'est même pas adressé la parole en fait pendant la semaine et demie. Après, justement, c'est très rapide. Mais j'avoue que c'était une grande surprise, hein, Miss South Africa, parce que j'avais établi mon classement dans ma tête. Et bah, même en fait, quand on voyait les favorites des gens, bon, on ne voyait pas du tout South Africa. Donc c'était une grande surprise, mais elle mérite totalement son titre parce qu'elle a eu un discours incroyable. Franchement, son discours chapeau bas, je pense que c'est ce qu'une Miss doit dire, c'est ce qu'une Miss doit dégager, c'est de on est là, on est jolie, mais alors on vient vous dire des choses qui vont faire réagir les gens et elle a vraiment eu un discours de ouf. Donc clairement, elle mérite son titre et ça a été une surprise pour moi, je pense pour beaucoup de personnes, mais c'était fortement mérité. Et du coup, je reviens à ta question et tu me disais. Miss Monde, c'est un peu plus caritative et Miss Univers, enfin voilà, c'est vraiment la Alors, ouais, en seule. fait, Miss Monde, il faut vraiment y aller avec un projet caritatif, mais du feu de Dieu. Parce que moi, c'était la lutte contre le cancer du sein. J'ai été appliquée toute mon année avec les bonnes fées dans cette lutte. Et on a fait beaucoup de choses d'ailleurs. On a fait des choses très bien. La vidéo était très bien. Sauf que, ben, en fait, c'était pas comme les autres candidates. En fait, moi, j'étais là en train de maquiller des dames qui ont eu le cancer du sein ou qui étaient en rémission. Après, j'appuyais sur un bouton, j'allumais la tour Eiffel en rose. Enfin, c'est des trucs très,
Très, c'est bien en fait, hein. Mais il faut savoir qu'à Miss Monde, il y a des filles qui ont des vidéos, t'es devant, t'as des frissons et t'as même envie de pleurer, hein. Il y a plus d'une fille qui ont pleuré en regardant les vidéos des autres. Il y a une fille, sa vidéo, on appelle ça le BWAP en fait, c'est Beauty with a Purpose. Il y a des filles, il y a une fille qui parlait, ben, en fait, qu'elle a été, on l'a touchée, elle a été violée quand elle a été petite. Il y en a d'autres qui vont dans des hôpitaux où bah, c'est très précaire et les gens n'ont plus de jambes, n'ont plus de bras, et on voit tout ça à l'image. On voit une fille qui... Alors ça, franchement, je l'oublierai jamais. Elle a construit un puits dans un village où les gens se lavaient, mangeaient, etc. Faisaient tout dans la mémo. Ils n'avaient pas d'eau potable, donc c'est quand même très sale. Mais encore une fois, c'est dans des milieux très précaires en France. On n'en est pas là, en fait. Par chance, on fait partie des pays riches. Donc, c'est bien pour nous, mais du coup, on ne peut pas avoir un sujet qui va traiter d'autres problèmes qu'on peut trouver dans d'autres pays. Et cette fille a construit un puits pour qu'un pays ait de l'eau potable. Donc, tu la vois avec sa pelle, machin et tout. Et moi, je suis là, j'allume la tour Eiffel en rose. Enfin, non, c'est juste que, clairement, pour moi... c'était très bien, ma vidéo était très bien, mais on était à des années-lumière d'autres projets. Donc vraiment, pour aller à Miss Monde, il faut avoir un projet qui va vraiment toucher les gens et toucher le comité de Miss Monde. Donc c'est ça, il faut vraiment avoir un Beauty with a Purpose important. Et puis Miss Univers, bah, tu vois, si tu as envie de t'amuser, de faire la belle, tout simplement, tu fais Miss Univers. C'est ça. Bon, j'ai eu raison. Et voilà, donc là, c'est des petites questions basiques que je posais aux filles. Donc, quel est ton... Enfin, raconte-nous un moment gênant et un moment drôle. Enfin, je pense que le gênant, on l'a eu. Ouais, du coup, le gênant, c'est ça. Pendant Miss Univers, tu veux dire, ou peu importe? Bah non, dans toute l'expérience que tu as eue dans le monde des Miss. Ah ouais, bah, ok, donc ouais, la gênante, c'est forcément la chute, parce que clairement, ça a été, je pense, le moment le plus gênant. Même sans ça, j'ai pas été gênée au fond de moi, et ça m'a pas atteint, j'en ai pas pleuré, enfin bon, mais c'était quand même un peu gênant. Et après, un moment marrant, je me souviens, j'ai eu un fou rire, comme pas possible. En fait, j'étais au Energy Music Award. Déjà, c'était une presta que je voulais absolument faire, à tel point qu'on a décalé mon départ à Miss Monde pour pouvoir faire cette date, hein. Ça, faut le savoir aussi. Et en fait, on a nos loges hein, qui sont attribuées. En plus, franchement, l'énergie, on a tellement de cadeaux. Mais on a des cadeaux tout au long de l'année. Mais alors, les énergies, on arrive dans la chambre du Carlton, mais c'est incroyable ce qu'on a comme cadeau. Moi, j'étais là. Pourtant, c'était quand même à la fin de mon année Miss France. Donc, j'étais habituée à recevoir des cadeaux tout le temps. Mais là, c'est waouh, il y en a plein, c'est des trucs trop bien. Enfin, bon, bref, moi j'étais aux anges. Donc, bon, bref, je reviens sur les loges. J'étais en loge avec d'autres personnes. J'étais en loge avec Giovanni Bonami, qui est mannequin sur Instagram. Et comment elle s'appelle? Oh mince, c'est une dame âgée qui est humoriste. William, je sais pas si toi tu sauras si tu es avec nous là. Latsou, son prénom a un truc et son nom de famille c'est Latsou. Peut-être que vous avez son prénom, c'est Nana Chantal. Latsou. Comment? Chantal. Ouais, Chantal Latsou, voilà, c'est ça. Et on était à trois dans la loge. Et en fait, il y avait Giovanni à côté de moi et elle était en face de nous. Et puis à un moment de... Ah, ouais, Chantal, voilà. Et donc, elle fait pour s'asseoir, mais en fait, il fallait y être pour le vivre parce que quand on raconte, c'est pas forcément marrant, mais moi, qu'est-ce que j'ai rigolé. Et elle fait pour s'asseoir et en fait, elle tombe en arrière. Elle se retrouve les jambes comme ça, les deux jambes en l'air comme ça. Et puis en fait, c'est la réaction de Giovanni qui m'a fait rire parce que il m'a regardé tout gêné parce que c'était une petite loge quand même. Et là, il la regarde, il dit, oh, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais la façon dont il lui dit, oh, c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai tellement rigolé, j'avais un fou rire, je suis sortie de la loge parce que je me suis dit, ah papa, je me fous de sa gueule. Je suis sortie de la loge et je n'en pouvais plus. Mais lui, en fait, il en rajoutait des couches, il disait des trucs tellement marrants. Enfin bon, bref. Donc ça chute, tu vois, au final, pour les deux, le moment gênant et le truc marrant, c'était des chutes. Voilà. Ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir. On a tellement.
Je sais pas, franchement, il y a tellement eu de moments où il y a eu une explosion de joie dans mon corps. J'ai envie d'en citer plein quand même. J'ai envie de citer mon anniversaire sur la péniche pendant que j'étais en titre Miss France. C'était en bas de la Tour Eiffel et clairement, c'est, je pense, un des plus beaux anniversaires qu'on m'ait fait. J'ai envie de dire quand j'ai reçu aussi mon prix de top modèle à Miss Monde et à Miss Univers. Bah, le top 10. Je pense que c'est des moments hyper marquants. Après, il y en a tellement, franchement, je pourrais en citer tellement, mais voilà, j'en choisis. C'est vrai que tu dois en avoir. Et du coup, l'avant-dernière question, c'est quel conseil donnerais-tu aux futures candidates? Oh, j'ai plein de conseils à donner aux futures candidates. Bon, déjà, il faut essayer de se construire par soi-même. Il ne faut pas essayer de se construire en se disant, on s'inspire hein, des autres Miss, ça c'est clair et net. Moi, clairement, j'ai été inspirée de Camille, d'Iris. Mais il ne faut pas copier-coller, surtout pas, hein, ça clairement. Comme par exemple, je prends un exemple tout bête, mais quand je suis partie à Miss Univers, j'ai aussi été habillée comme pour Iris par le Moulin Rouge. On a tout fait pour que le costume soit totalement différent du sien parce qu'on ne peut pas faire des copier-coller parce que même c'est du déjà vu. Les gens ont toujours envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de frais. Donc il faut penser à se construire soi-même vraiment, à pas changer, à pas vouloir copier quelqu'un ou jouer un rôle. Ça n'a aucun intérêt. En plus, on s'en rendra compte très rapidement. Après, bah, pour le jour J, surtout s'amuser sur scène parce que clairement, pour avoir été dans plein de jurys. On le voit dès qu'une fille. En fait, on sait que c'est stressant. Hein. Moi, je sais que c'est stressant d'être sur scène. Mais il faut le faire oublier. Vous jouez un rôle, vous rentrez dans la peau d'une fille qui est à l'aise sur scène, qui se met en avant parce qu'il faut se vendre. En fait, carrément, c'est du commerce. Hein. On se met sur scène, il faut se vendre si on a envie de gagner. Il faut vraiment se vendre. Donc, même si on est stressé, il faut le cacher. Il ne faut pas dire je me force à pas l'être. On le sera peut-être deux fois plus si on ne veut pas l'être. Mais simplement, il faut savoir bien le cacher. Donc s'amuser, sourire énormément, parce que ça, on le voit aussi beaucoup. Réfléchir à son discours. Faut pas dire n'importe quoi. Moi, j'ai déjà vu des filles qui disaient n'importe quoi. Et j'étais là, mais oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Un coup, je me souviens, j'ai vu une fille, c'était dans le sud. J'en pouvais plus. C'était une. Bon, bah, je vais pas donner le profil de la fille, mais bon, bref, elle arrive en bout de proscénium et là, elle nous fait un Beyoncé en faisant comme ça, avec sa main. Oh, et je l'ai vue, mais j'ai tellement rigolé parce que c'était marrant. Enfin, on s'attend pas à ce qu'il a fait comme ça, le chipper en même temps. En plus, j'ai fait, mais non, non, faut pas faire ça, stop. Donc voilà, quand même faire attention. On attend certaines choses d'une mise, déjà d'être classe, d'être élégante. Donc ça, il faut essayer aussi de le dégager au maximum. Et puis après, travailler le discours. On peut l'apprendre par cœur. Moi, j'ai toujours appris par cœur mes discours. Mais encore une fois, si vous vous entraînez, vous le faites bien, on n'y verra que du feu. En fait, on dira pas, la fille a appris, ça se voit. Il faut apprendre, mais il faut pas réciter. Et c'est là où certaines ben, peuvent réciter et forcément ça sera tout de suite moins bien. Et puis, ben, je pense tirer des leçons de chaque expérience et de chaque concours. Si vous ne gagnez pas un concours où vous vous présentez, c'est pas grave. Enfin, quand on voit mon parcours aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas gagné tous les concours. J'ai parfois été dauphine à tel point que je me suis dit j'arrête. Mais non, en fait, il faut vraiment continuer quand on a envie. Continuer. Mais voilà, c'est surtout ça pour les candidates. Essayez de vous démarquer par votre discours. Vraiment, il faut réfléchir à un discours en béton. Ça, c'est cool. Et puis, bah, aussi, j'ai envie de dire par rapport au physique. Hein, moi, je suis arrivée, j'étais cheveux courts et rousses. Et je pense qu'il fallait jouer cette carte parce que. Camille et Iris, enfin, on avait déjà deux Miss par Pas-de-Calais, quoi. Donc tout le monde me disait non, tu pourras pas gagner, il y a déjà eu deux filles. Et moi je disais, bah, non, en fait, on a remis les compteurs à zéro, Alice a gagné, je peux gagner. Et effectivement, c'était chose possible. Donc voilà, c'est un peu tous les conseils que j'ai à donner pour une candidate, mais vraiment, c'est d'apprécier le moment qu'elle vit et de s'amuser en le faisant. C'est vrai. Et du coup, ma dernière question, c'est que fais-tu dans la vie maintenant? Qu'est-ce que je fais dans la vie maintenant? Je suis influenceuse.
Je travaille chez Talent Lab, en fait, qui est une agence annexe de Miss France, qui fait partie d'Endemol Shine aussi. Et bah, du coup, je travaille avec des marques. Par exemple, bah, je suis ambassadrice pour la marque Peugeot. Pour ceux qui ne sont pas encore certains de ça, oui, c'est bien moi dans la pub Peugeot. On l'avait tourné en Afrique du Sud, d'ailleurs. Ça, c'était un beau voyage aussi. Je vois vos questions, mais reposez-les juste après, comme ça, on pourra y répondre. Après, je fais beaucoup de choses différentes en fait, parce que par exemple, je peux défiler pendant la Fashion Week. J'avais été la mariée de Georges Chakra pour la haute couture, c'était quand même un peu ouf parce que justement, je suis sortie du mannequinat et je me retrouve en mariée. Et on sait quand on est dans le mannequinat que la mariée, c'est beaucoup. Dans un défilé, il y a les filles qui défilent et il y a la mariée. Donc, j'étais mariée, ça, j'étais très contente. J'ai aussi défilé pour Zian Naka de l'année dernière. Bon, ça, c'était ouf aussi. C'était vraiment top. Donc, ouais, en fait, on fait plein de trucs différents. On fait des émissions télé. C'est beaucoup, par exemple, avec Arthur. On fait des Fort Boyard. Et puis, bah ouais, c'est beaucoup d'influence sur les réseaux. Parce qu'on va parler de marques, on va mettre en avant certains produits, certaines choses. Et puis, bah moi, là, plus ça va et plus je pointe les choses vers le maquillage, puisque vu que je sais le faire, j'essaye de le faire à bon escient. Donc Oui. voilà, en gros, mon métier, c'est être influenceuse maintenant. Et tu fais ça à merveille. Donc moi, Merci. j'ai Et oui, je terminé. vois William qui dit les bonnes fées. Et oui, effectivement aussi, je fais partie des bonnes fées comme beaucoup d'autres Miss France. C'est une association du coup qui est composée que de Miss France. Et bah, on défend en partie. Hein, c'est une asso pour les femmes et les enfants. On vient en aide aussi aux messieurs et on ouvre des maisons des bonnes fées. Donc ça permet à des patients atteints de cancer en plein traitement de venir prendre soin de soi ou bah, ils vont se faire maquiller. On leur apprend à prendre soin de leur peau différemment qu'une personne qui n'est pas malade, parce que forcément, ce n'est pas la même approche, qu'ils ont une peau plus fragile quand elle est exposée à des rayons. Donc voilà, c'est vraiment les bonnes fées pour égayer la vie des gens. Donc voilà, moi j'ai terminé. On peut regarder du coup les questions de nos Allez-y, les amis. amis, pour toutes les questions que vous avez posées tout à l'heure, auxquelles on n'a pas pu répondre parce que je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non mais c'est bien parce que du coup là ça intéresse, les gens sont contents et tout. Puis même moi, enfin, T'as appris des choses? voilà. Alors, tu penses quoi de Catriona Gray? Alors, Catriona, je l'adore, clairement, franchement, elle est top, elle est trop gentille. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'année où elle s'est présentée à Miss Univers, elle pensait que je ferais Miss Univers, donc elle avait demandé mon numéro sur Instagram, elle m'avait mis dans le groupe de Miss Univers, et pour le coup, j'étais partie à Miss Monde et pas à Miss Univers. Donc, j'avais déjà eu un petit contact avec elle et c'est vraiment une fille hyper adorable déjà parce qu'elle m'a soutenue quand j'ai chuté. Et puis après, elle est venue me voir, elle est venue me faire un câlin. Elle dit, ah non, mais Miss France et tout, ça va. Enfin, vraiment hyper, trop, trop gentille, quoi. Donc, ça m'a fait énormément plaisir et c'est vraiment une Miss Univers, je pense, qui a marqué. Quand on voit aujourd'hui, elle doit avoir quoi, 7-8 millions d'abonnés. C'est vraiment une fille bien pour le coup. Je pense vraiment que c'est une fille bien et qui a. Le cœur sur la main, parce que pour l'avoir vu plusieurs photos avec les gens, parce qu'on nous en demande sans cesse. Et elle était toujours très souriante, très accueillante. Donc voilà. Pouce pour Catriona Gray. Ensuite, autre question. A-t-on droit à plusieurs piercings aux oreilles? Bon, oui, hein, ça, bien sûr, c'est pas. C'est Ça, c'est pas pas interdit, interdit. ça. Après, moi, j'avais simplement le tragus. J'avais que le tragus quand j'ai fait Miss France et que j'ai retiré hein, parce qu'on m'a engueulé comme du poisson pourri. Je devais le retirer, donc je l'ai retiré bah, 5 minutes avant de monter sur scène d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait celui-ci et en début d'année, j'ai fait celui-ci. Mais donc, c'est mieux de faire les piercings, on va dire, après Miss France. Mais non, il n'y a aucune interdiction. Tant qu'on n'a pas un piercing au nombril pour faire Miss France, là, clairement, c'est gênant. Après, on retire le bijou, c'est tout, mais Retire non, il n'y a pas d'interdiction. Là, j'en ai une cool. J'ai l'impression que tu as beaucoup confiance en toi. Quel conseil pourrais-tu donner pour avoir plus confiance en soi?
J'avoue que j'ai appris à gagner en confiance en moi parce que quand j'étais plus jeune, et bah, par exemple à Boulogne-sur-Mer, à Miss Boulogne-sur-Mer, j'étais pas du tout confiante. Bah, je pense que c'est toutes mes expériences hein, qui m'ont appris à être plus confiante. Et puis après, je pense à simplement se dire merde. Voilà, clairement, faut dire les choses, que ce soit dans sa tête ou pour les gens. Mais en fait, même moi encore aujourd'hui, on me critique beaucoup. Mais en fait, c'est tout. Je me dis, merde des gens, si qui me critique, merde tout court, en fait. Le principal, c'est d'être bien dans notre peau, de nous assumer, on fait au mieux. Et puis ceux qui sont pas contents, bah, c'est tout. Moi, je vois parfois, il y a des gens qui viennent et que qui ont des réponses, tu as envie de leur mettre trois gifles. Carrément, tu te dis, bah. Tu réponds pas, c'est tout. Mais il y a parfois des gens qui sont vraiment, qui vont trop loin. Mais bon, moi, j'ai assez de caractère, donc je ne me laisse pas faire. Je pense que c'est ça aussi. Il faut rester gentil, mais sans se laisser faire, en fait. Si les gens sont méchants avec vous, ne vous laissez pas faire à un moment donné. C'est tout. Ouvrez votre bouche et dites ce que vous pensez vraiment. Par exemple, quand on me voit là aujourd'hui, on ne pourrait jamais penser ça. Mais pendant mes années de lycée, j'ai été quand même plutôt pas mal harcelée. On me jetait à longueur de temps des bouts de gomme sur le visage tout le temps. Et c'était une période de ma vie où en fait, bah, je n'avais pas le caractère que j'ai maintenant. Et en fait, je disais rien. Mais je le vivais vraiment mal. Et bah après, c'est tout. On grandit. Et je pense que c'est tout ça qui nous apprend à faire face après aux choses. Donc oui, la vie n'est pas facile tout le temps. Il y a des gens mauvais. Il y a des gens qui ont un fond mauvais. On ne les comprend pas forcément. Mais c'est tout. Il faut leur dire merde. Et puis, on continue, nous, de vivre notre vie et de faire ce qui nous rend heureux, même si ça déplaît aux autres. Exactement. Bon, il y a beaucoup de questions. Vu ton expérience chez les deux concours bah, Miss Monde et Miss Univers, Clémence, tu la vois plus dans quel concours? J'en ai parlé avec elle pendant son voyage du coup d'intégration à Miss France. Je pense qu'elle fera Miss Monde. Elle le dit souvent de toute façon, Miss Univers, pardon. Elle le dit souvent. Bah, en fait, elle a vraiment envie de s'amuser. Et puis, bah, moi, c'est ce que je lui ai conseillé. Si elle me dit, je veux pas forcément y aller pour décrocher la couronne, mais elle veut juste kiffer. Donc, en fait, si elle veut kiffer, et puis, c'est une showgirl sur scène. Donc, clairement, Miss Univers, elle Ouais. aimera. Et je pense que c'est là-bas où elle sera le mieux. Je pense que ouais, avec son côté showgirl, elle pourra quand même se démarquer dans ce côté-là aussi. Tu aimerais faire une collab avec une marque de make-up? Oui, bien entendu, quelle question. Ouais, j'aimerais bien. Il y a beaucoup de marques que j'aime bien. J'aimerais bien Morphe parce que pour faire des maquillages colorés, ils sont très très bons niveau pigments. J'aime beaucoup cette marque. Après, franchement, il y en a tellement que j'aime bien. Mais ouais, j'aimerais beaucoup faire une collab avec une marque de make-up. Seras-tu présente à quelques élections locales du Nord-Pas-de-Calais? Il y a trop de messages. Ce serait Alors, cool de t'y voir. eh bien, et ça, il faut demander à notre cher délégué régional et à nos délégués locaux. J'aimerais bien venir, ouais, j'aimerais beaucoup venir. Bon, avec l'écharpe, bien sûr, et la couronne. Enfin, attention, la couronne, je la mets que pour le Nord-Pas-de-Calais, hein, parce que normalement, on ne met plus trop la couronne après avoir rendu notre titre. Mais quand je vais dans le Nord, je la remets parce que je sais que les gens sont contents de la voir. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Après, peut-être que je viendrai en perso. Donc, si je vais en perso, on ne me verra pas. Hein. Je me ferai toute petite dans les coulisses. Mais oui, espérons que certaines villes soient motivées à recevoir une Miss France. J'aimerais bien. Ouais, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Faut que je regarde. Attends, ça va. Il y a beaucoup de messages. Patrick. Bon, il y a beaucoup de Que questions là qui penses-tu reviennent. de... Répondu. Quelle est la différence entre Miss Monde et Miss Univers? Enfin, je vais mettre le live 24 heures, donc vous pourrez. Allez regarder un replay sans Ouais. souci, vous aurez toutes La vos réponses réponse. à vos questions. Une chaîne YouTube, c'est marrant parce qu'en ce moment vous êtes beaucoup à me le dire, à m'envoyer des messages et tout. Franchement, je sais pas si je serais très bonne
là-dedans. Pourquoi pas? J'aime bien regarder, hein, j'aime bien regarder des tutos de Sananas, par exemple. Je vois parce qu'on m'a demandé si je la connaissais. Bien sûr, je la connais. Enfin, je la connais. Je la connais sur les réseaux. J'ai déjà été amenée à la rencontrer aussi. Mais c'est différent hein, de faire simplement un tuto make-up à une vidéo complète où on entretient le dialogue toute seule pendant 20 minutes. Donc, à voir, peut-être qu'avec le temps, j'en ferai une, on ne sait pas. Voilà. On a le droit à tatouage? Non. Non, nous, enfin, on a le droit, ils sont tolérés s'ils ne sont pas plus grands que la Une taille pièce d'une de 2 pièce de euros. 2 euros. Donc, si c'est un petit tatouage qui rentre dans une pièce de 2 euros, il sera toléré. Pareil, s'il n'est pas très voyant, hein, parce que si vous l'avez là, autant vous dire que c'est niette. Mais oui, c'est toléré, mais pas les gros. Pourquoi avoir coupé tes cheveux après Miss France? Je la prends cette question. Pourquoi? Alors franchement, la vérité, je les ai coupés parce qu'ils étaient trop abîmés. C'était même pas dans l'idée de me dire, allez, j'ai envie de faire un carré ou autre. C'était juste qu'ils étaient tellement abîmés, j'ai perdu en masse. La couleur n'était plus sur mes cheveux. En vrai, j'étais pas très très rousse pendant mon année, mais c'était pas faute d'entretenir mon rousse. C'est juste que ça tenait plus. Mes cheveux étaient fatigués, ils étaient coiffés tous les jours, ils étaient abîmés, cassés dans tous les sens. Donc, il fallait que je raccourcisse tout. Et en fait, ben, vos réactions, les réactions des gens étaient plus que bonnes par rapport à ce carré. Tout le monde a adoré. Du coup, je crois que maintenant, je n'ai plus le choix que de garder mon carré. Et entre nous, j'aime mon carré roux et je vais le garder encore très, très, très longtemps. Là, j'ai une question qui est, je trouve qu'elle est cool. Aimerais-tu rester dans le monde des Miss par la suite, par exemple intégrer le comité Miss France ou Nord-Pas-de-Calais, ou encore coacher des filles qui voudraient se présenter? Pourquoi pas? Franchement, j'irai pas non, hein, parce qu'on sait que j'aime bien revenir voir mon communauté. Donc, pourquoi pas? Après, au communauté Nord-Pas-de-Calais, j'aurais pas forcément quelque chose à apporter de plus, parce qu'il est déjà bien composé, hein. William fait énormément de bonnes choses pour le comité, bah, comme Anne-Sophie, comme Jonathan. On a vraiment un bon groupe hein, autour des Dominiques. Donc, moi, ce que je peux apporter, c'est juste mon expérience. Et c'est pour ça que si je ne fais que passer et je parle aux candidates avant la régionale, bah, il y en a assez, en fait. Après, au niveau France, c'est totalement différent, hein, parce que là, au niveau France, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi pas? Je refuserai pas l'idée, puisque j'aime bien ce monde encore, hein, ça ne m'a pas encore lassée, donc pourquoi pas? C'est vrai. J'ai vu aussi des questions, donc plusieurs questions. Est-ce que tu réponds encore au courrier? Alors, pour le courrier, c'est une bonne question. Si vous voulez écrire, il faut écrire à Talentlab. Du coup, vous pouvez avoir l'adresse sur un. C'est juste que j'ai plus que 10% de batterie. Donc, vous pouvez écrire à Talentlab en trouvant l'adresse sur Internet. C'est à Aubervilliers. Et vous mettez bien l'intention de Maeva Cook. Et surtout, très important, joignez-y une lettre timbré avec votre adresse pré-remplie, c'est plus facile pour nous, parce que C'est vous vrai. dites bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui nous écrivent. Et c'est pareil, on ne peut pas non plus payer tous les timbres. Donc, mettez une enveloppe timbrée avec votre adresse dessus. Et puis, ben, moi, je vais à Talentlab de temps en temps. Bien sûr, je n'y vais pas tout le temps. Et là, je n'y vais plus. De toute façon, les bureaux sont fermés. Mais ben, pourquoi pas? Enfin, vous pouvez le faire. Et puis, je vous répondrai une fois que je serai de retour là-bas. Est-ce que tu connais l'adresse? Parce que là, une jeune fille qui vient. Bah, si je pars de internet, je vais pas le trouver, mais tapez juste Talentlab sur Google. Ah bah Ah William, je m'en doutais que William allait nous la mettre. génial. Dix rue Val des Crochets, Je bâtiment n'ai pas écrit. 521. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent écrire à Maeva, j'ai épinglé le commentaire de William avec l'adresse. Du coup, vous avez juste à faire un petit screen pour enregistrer l'adresse. Et je vois une question là qui revient quand même pas mal. Qu'est-ce que je pense de South Africa, de Miss South Africa qui a gagné? Ben, comme je le disais tout à l'heure, hein, je vais faire concis là-dessus. Elle mérite son titre parce qu'elle a eu un très très bon discours. Et encore une fois, vous avez pu vous en rendre compte, j'ai appuyé énormément le fait de réussir ses discours dans tous les concours de Miss, c'est hyper important. Et elle a super bien joué le truc. Donc, elle est très bien. Après, malheureusement pour elle,
bah, comme pour notre Miss France actuelle, elles tombent en plein Covid, enfin, donc elles ne peuvent pas profiter réellement de leur année. C'est vrai. Bon, je pense que elles vont se rattraper quand même. Enfin, du moins, j'espère pour elles quand même. Ben, en soi, pour Miss France, ça va être compliqué quand même parce que tu vois, comme je disais tout à l'heure, quand tu as des séances dédicaces, tu as au moins 500 personnes. Tu peux pas. C'est pas Ouais. possible. Non, ça réunit beaucoup trop de gens. En plus, tu pourras pas respecter les 1 mètre de distance. Enfin, j'y C'est crois vrai. pas trop. Et en plus, nous, être confrontés à 500 personnes dans l'après-midi, si on n'a pas le Covid le lendemain, enfin, c'est, tu vois. C'est Non, vrai. je pense que dans tous les cas, ça va être très compliqué. Voilà. J'ai vu aussi, est-ce qu'elle va avoir un défi? Non, les défis sont terminés. Donc ça, j'ai vu pour les filles de la promo. Et à vrai dire que j'ai plus d'idées non plus. Et puis bah là, c'est des anciennes mises, donc vaut mieux profiter de leurs conseils, de leur poser des Bon, questions. merci. Ouais, merci de respecter les Miss France. Moi, j'ai pas envie de mettre un œuf Ah! sur les cheveux, quoi. C'est bon pour les cheveux, vraiment. Il paraît, il paraît. Ouais, le vinaigre en plus, c'était génial. Est-ce que l'élection Miss France est décalée? Alors, non, pas à ma connaissance. Ça sera toujours en décembre. C'est souvent deuxième semaine de décembre et normalement, ça ne sera pas décalé, non. Annabelle qui met What? Oui, t'étais la dernière, Annabelle. Injustice. Pourquoi n'as-tu pas fait partie des 12 finalistes? C'est impossible que tu n'y sois pas, tu devais tellement gagner. Enfin, j'ai pas compris la question. Je pense que ça doit me concerner. Ah oui, d'accord, ouais, ça. Oui, non, Oui, ça, bah j'avais oui, parce pas que du coup, je répondu. revoyais Univers, moi, je dis bah non. Oui. Non, mais ça, j'ai déjà répondu. C'était tout simplement peut-être que oui, j'étais un peu trop jeune. C'était pas mon destin. Moi, je suis très, très fière de mon parcours, mon comité, ma famille, mes amis. C'est le plus important et j'ai passé une merveilleuse aventure. Et c'est tout ce que je retiens. Ouais, le plus important, c'est Voilà. vraiment d'en profiter. Tu as une chance inouïe que peu de personnes C'est ont ça. déjà. Et puis après, effectivement, devenir Miss France, il n'y a pas. En fait, les gens voient ce qu'on aime bien leur dire. C'est Mais ça. derrière, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ce n'est pas juste est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle sait défiler? Non, 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 il y a plein d'autres choses. Donc, effectivement, comme tu le dis, la maturité rentre en compte. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Qui sont hyper importants pour Miss France. Donc, C'est ça. comme je disais tout à l'heure, bah, c'est le destin et c'était déjà un beau parcours. Déjà être Nord-Pas-de-Calais, Oui, bah, c'est ça. Moi, je suis très déjà fière. moi, quand j'étais Nord-Pas-de-Calais, j'ai fait ah, ouais, comme Iris et Camille. Bah oui, puis moi, je pense à toutes les jeunes filles, jeunes femmes qui aimeraient, enfin, c'est leur rêve de devenir Miss, ou c'était leur rêve et que bah, elles n'ont pas réussi. Et puis bah, moi, j'ai eu la Ouais. chance de passer outre et d'avoir vécu cette aventure. Du coup, bah, déjà, je suis reconnaissante et je suis très fière. Bah, puis tu vois, justement, pour parler du Nord-Pas-de-Calais, on sait très bien qu'il y a des candidats qui ont fait la régionale 3 fois, C'est ça. qui n'ont pas gagné. Et bah, ça doit être une déception immense parce qu'en fait, Ouais. elles ne font jamais Miss France de leur vie. Donc déjà, rien que de le faire, c'est déjà vraiment gagné. C'est vrai. William, la couronne et les écharpes, on veut les voir. Toutes mes couronnes? Oh là là! J'en ai pas toutes, il y en a chez ma mère. Mais alors, je veux bien, par contre, il faut que je charge mon téléphone parce qu'il va s'éteindre en plein direct. Je vous laisse profiter d'une lourde derrière, j'avais cherché la couronne. Enfin, celle que j'ai avec moi. Pour Miss South Africa, donc elle a déjà répondu. Il y a plein de questions que vous posez. Quelles ont été, enfin, qui étaient ses copines à Miss Univers, le concours qu'elle a préféré. Donc on a déjà répondu à tout ça. Le live, je le remets en direct, enfin en replay, pardon. Du coup, vous pourrez aller regarder. Le direct le plus long de l'histoire. Bon, on est bavard dans le nord et Maëva, elle a beaucoup de choses à dire, hein, Camille. C'est vrai, ça va faire bientôt 2 heures. Celui-là va bientôt couper dans 10 minutes. Même pas. Ta couronne aussi, Florentine. Je ne l'ai pas avec moi, je suis désolée. Camille, elle a écrit un petit commentaire. Elle a écrit Chico AA. Camille. Direct le plus long de l'histoire.
Alors là, j'ai ramené avec moi quelque chose que je montre très rarement. C'est du coup mon trophée du Miss World Top Model Challenge. En fait, je vais tenir. C'est comme ça, en fait, c'est en vert avec un monde, hein, forcément, pour Miss Monde, avec le petit symbole de Miss Monde ici. Je sais pas si on le voit. Et donc là, c'est marqué en bas C'est le cool. prix. Voilà, on le voit rarement et ça c'est cool parce que bon, je pourrais garder toute ma vie. Et la couronne qui est juste à côté de moi. Bon, parfois j'aime bien la ressortir parce que elle me manque. J'aime bien la revoir des fois, chère, ouais. Même si elle me faisait mal à la tête au bout de 2 heures de dédicace. Ah oui. Elle est trop belle. Ouais, c'est elle est canon la couronne. Chaque fois que je la sors, je me dis quand même qu'elle est trop belle. Parce que je la mets. T'as l'une des plus belles couronnes quand même. Bah, objectivement, oui, franchement, tu sais, quand je vois les commentaires des gens et tout, et ils s'amusent à noter les couronnes, c'est vrai que la mienne revient souvent. Et elle s'appelle Eau Céleste, ma couronne. Ouais, non, elle est vraiment jolie. Tu pourrais la regarder pendant des heures. Ouais, franchement, elle est ouais. Ouais, je pourrais la regarder. Camille, c'est la mienne la plus belle. Mais non, Camille, la tienne, il y a 3 marguerites dessus, ça va. Non, c'est vrai qu'à partir d'une certaine année, je ne sais plus à partir de quelle Miss, Alicia, non, Iris. Iris, ils ont vraiment changé les couronnes de forme parce qu'avant, elles se ressemblaient toutes Un un peu. diadème. Et Iris, ils ont vraiment changé. Après, celle d'Alicia est très belle aussi, j'adore, avec du jaune. Elle est trop, trop belle. Bah, la mienne est très belle. Et bah, celle de cette année est belle, mais j'avoue que le rouge, moi, je ne l'aurais pas vu. Enfin, avec moi, en tout cas, ça n'aurait pas été. Donc, voilà quoi. Voilà. Bon, là, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Elle vaut cher. Bah, en fait, on ne connaît pas le prix de même moi. Hein, vraiment, je ne connais pas du tout le prix de la couronne. Ça, c'est un secret. Ouais. Donc, voilà. C'est un secret bien gardé. Faudra mettre Bon, la bah, couleur. je pense que on a fait le tour des questions. Ah, est-ce que les candidates gardent leur écharpe Miss Univers après la compétition? Oui, moi j'ai toujours mon écharpe. On garde tout. Ouais, et j'en ai eu plusieurs. Du coup, j'en ai offert une à William en cadeau. Et c'est des choses que j'ai beaucoup faites. Il a quelques écharpes que je lui ai offertes parce que bon, il nous accompagne énormément en fait dans nos concours et on se dit que quand on gagne quelque chose, c'est pas seul. William nous a bien formés, nous a aidés et conseillés. Donc, c'est un peu un petit cadeau pour le remercier. Donc, il a une écharpe Nord-Pas-de-Calais. À Monde, j'avais rien du coup. Enfin, ah, mais mon écharpe de Miss Monde, elle est au bureau Miss France. En fait, quand j'y pense, j'ai toujours pas récupéré. Pouf. Et bah, Miss Univers, du coup, j'en ai donné une aussi. Voilà. Il a beaucoup d'écharpes. Ah ouais, je sais même pas où il les a rangés d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il en fait. Non, mais du coup, je pense que c'est good. Ouais, bah Vu écoute, l'heure de... pile poil à la fin de ma batterie, parce qu'en plus je ne vais plus avoir de batterie, donc avant que ça se coupe Ouais. par soi-même. Merci Florentine pour Non, cette mais attends. interview qui était hyper complète. C'est cool parce que bah, on a beaucoup parlé, hein, j'ai beaucoup parlé, j'ai plus de salive, j'allais boire un peu d'eau. Mais au moins j'ai pu vraiment raconter les choses en long, en Non. large et en travers, et des choses que j'avais même jamais dites auparavant. Donc C'est ça. merci en tout cas. Merci à toi. Bah toi, Un plaisir. profite bien jusqu'à la fin de ton année. Toi, ça va être octobre ou novembre, Octobre. octobre. Octobre, oui. Du coup, ça va passer vite. Mais bien entendu, moi, j'essaierai d'être la Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc, je Oui. serai là pour te réconforter après que tu aies Oui. remis ton titre. Mais en tout Merci. cas, bravo à toi pour le rôle de Miss que tu joues très bien. Je pense que tout le Nord est fier de toi. En tout cas, nous, anciennes Miss Nord-Pas-de-Calais, on l'est. Donc voilà, c'est le principal d'une année de Miss, c'est d'être fier de soi. Merci beaucoup. Bah, merci à toi d'être Et venue. puis, C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. bah, avec plaisir. Et puis, bah, gros bisous à tout le monde. De gros bisous, ch'tis, tout ça, tout ça. Stay home, on ne le dira jamais assez. Même si ça approche, restez chez vous. Et puis, même après, essayez quand même un peu de rester chez vous quand même. Bon voilà, Exactement. gros bisous tout le monde! Bon.
Bisous, bisous. Merci, Maëva. Salut. Oh, merci beaucoup. Alors, je vais faire vite. Du coup, le live, il est terminé. Avec Maëva, donc c'était vraiment un merveilleux moment. Enfin, merveilleuse heure, par contre. Ça a quand même duré 2 heures. Du coup, demain, je vais recevoir une autre Miss France qui a fait son apparition, il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, demain, je vais recevoir Camille. Donc, elle va encore nous parler de son année, de tout ce qu'elle a vécu, de toutes les belles choses qu'elle a faites et qu'elle fait encore au jour d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, préparez encore vos questions pour Camille. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé encore une fois un merveilleux moment. Voilà, Maëva, merci encore. Maëva, je l'adore. Et du coup, je vous donne rendez-vous demain à 18h30, toujours sur ce compte-là, Mister Pas-de-Calais Off. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Restez bien chez vous et je vous fais de gros gros bisous. Yeah.